mal partout. J'préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Ok. Juste là. S'il y a beaucoup de, d'agents, je peux passer. Oui, Colin, tu peux ouais. Prendre, T'es sûr de toi là de prendre cette photo, Riz? Ah oui, je suis sûr, pourquoi? T'as pas le droit de faire ça, hein? Pourquoi j'ai pas le droit? Tu peux pas, hein, même si je suis derrière les barreaux, me prendre en photo. Ah si, c'est pour moi, je peux la mettre sur internet, je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux, crois-moi. Vas-y, empêche-moi. Bah, appelle-moi un agent, pas de problème. Empêche-moi, Charlie, empêche-moi. Tu vas faire quoi derrière les barreaux? Est-ce qu'on peut m'appeler Kate, s'il vous plaît? Kate, c'est qui Kate? Kate, on a besoin de toi, Kate. Kate, Kate, comment la regarde mon nouveau fond d'écran, regarde mon nouveau fond d'écran. C'est quoi cette coupe 03? Ah bah je m'en poussais quoi. Selon ses réponses sur les pièces. T'en penses quoi? Ton écran est sale, je veux pas savoir. Qu'est-ce qui s'est passé Charlie? Qu'est-ce que tu fais derrière les barreaux? Ah rien mec, je vais sortir rapidement, c'est une erreur. Je te le souhaite. Comme moi, tu te rappelles la dernière fois, je suis allé en prison mais je suis sorti après. Hein. Bah ouais, bah c'est va être pareil. Hein. Il y a des erreurs, ça arrive parfois. Hein. Ça m'arrive à une fréquence. Non sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Bah, rien de spécial, c'est un petit peu, tout le monde s'est un peu embrouillé la tête, mais ouais. Voilà, on va voir mon interrogatoire. T'as fait une si grande connerie que ça pour te retrouver là, vraiment? Vraiment, non. Mais bon. Ok, alors j'attends. Mais de ce qu'on nous a parlé là, c'est de la haute trahison. En tout cas, le orange oui, te va si bien. De ce qu'on vous a parlé. Mais bon. J'espère que cette histoire va s'arranger. Eh, hey, Riz. Ouais. Tu ne pouvais pas me prendre en photo, c'est réel, hein? Mais je te jure, je peux. On est là où on encode les gens. Tu vas inventer des lois? Ah non, je sais pas, je suis pas avocate. Hein. Appelle Glenn, peut-être qu'il va inventer une loi. Il va dire dans le Nord, on n'a pas le droit de se prendre en photo. Même si vous, niveau cyber, on n'a pas le droit de. Il n'y a pas de loi contre les photos des gens. Ah oui, je t'ai pris en photo, je l'ai pas mis sur Twitter. Je sais, quoi. Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, sérieux, il s'est passé quoi? T'as fait quoi? Parce que en vrai, je suis. Non, en vrai, je suis même pas triste de pas avoir participé à ça, mais j'ai juste pas participé à ça, du coup, vas-y, raconte. Bah, rien de particulier, c'était par rapport à une enquête sur Alzheimer, et on me dit des choses que j'ai fait qui sont pas vraies, donc. Genre quoi? C'est pour ça que je suis là pour me défendre. Mais, des choses comme quoi j'aurais divulgué des choses, ou. Ce genre de. Et tu l'as fait ou pas? Non. Et pourquoi t'es derrière les barreaux si tu l'as pas fait? Bah parce qu'ils veulent m'interroger. Oui, mais ils auraient pu te laisser en liberté conditionnelle si jamais c'était pas des faits graves, non? Ah bah je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'avais pas ni d'avocat ni de juge hier présent. Donc bon. Vas-y, je suis désolé, mais j'ai changé notre fond d'écran. Non. Là, tu me déstabilises. T'as osé changer notre fond d'écran? Oui, j'ai changé notre fond d'écran. Vas-y, regarde. Je pouvais pas m'en empêcher. C'est pas possible. En vrai, la photo elle a trop de flow en plus. Oui, non, c'est pas possible. Eh ben, non, mais oui, mais si jamais t'es derrière les barreaux, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de choses contre toi, non? Ben, il y a des choses contre moi, mais à preuve du contraire, j'ai pas eu d'avocat hier, et on m'a directement amené à Bolingbrook. Un peu rapide. Donc bon. Pardon, j'arrive pas à m'empêcher de sourire. C'est plus fort que moi. Si tu veux que je te dise, je sais que tu me détestes, donc vas-y. Ah oui, mais rigole de moi, rigole de moi. Mais tu sais, Charlie, je te déteste parce que t'as commencé à me détester, hein. Parce mais c'est que... faux en plus. Charlie, c'est pas dans ce sens-là. Hein. Je vais dire, hein, mais à l'époque, je t'aimais bien, Charlie. Hein. Bien. À l'époque, je t'aimais bien, et puis depuis la mort de Freya, t'as commencé à partir en couille, que ce soit vis-à-vis de ma fille, que ce soit vis-à-vis de moi, que ce soit vis-à-vis des enquêtes, que ce soit vis-à-vis des complots, que ce soit vis-à-vis de beaucoup de choses. Si ma fille, t'es parti voir des gens pour leur dire que ma fille c'était Sadie, par rapport à l'enquête, si tu l'as fait. C'est juste que je suis pas du genre à je vais pas aller te voir à chaque fois que tu fais une bêtise pour te dire ouais Charlie t'as fait ci, t'as fait ça, tu vois. Donc toi t'oublies mais... T'as besoin à manger et à boire Charlie? Je veux bien manger s'il vous plaît. Toi t'oublies Charlie mais nous, moi j'oublie pas tu vois. J'aurais jamais rien fait à ta fille. Ah non je sais mais bon de par le fait que tu veux toujours faire l'intéressante un petit peu ben tu fais des erreurs. Et je pense que c'est ce qui t'est arrivé là. Voilà c'est... il fallait savoir s'arrêter, c'est comme moi tu vois, il fallait que je m'arrête, je me suis arrêté. Même si toi t'as pas voulu arrêter par rapport aux enquêtes, par rapport à d'autres trucs. J'ai arrêté sur ton enquête bien longtemps. Charlie t'as posé des questions au New Order, tu leur donnes des informations sur moi. Mais pas du tout. Charlie, s'il te plaît, au point. Non, non, non. Au point où j'en suis. Oh, Charlie. Je te promets. Ma petite pupus.
Je te promets que non, tu peux demander à tout l'état-major. Enfin bref, c'est pas... Je vais pas faire ça, Riz, par pitié. Tu crois vraiment que je vais donner des éléments, même peu importe ce que je pense de toi, peu importe ce que je sais de toi. Tu l'as fait, Charlie. Je vais serrer la main de la... Arrête, je te promets. Ah oui. Je te jure. Non, les paroles de quelqu'un qui a tout à perdre n'ont aucune valeur, Charlie. Ben justement, si. Non, tout à perdre. Pourquoi est-ce que je te mentirais là maintenant? Ah justement, tu vois, c'est genre... J'ai quoi à faire de te mentir? Si je te prends la main dans le sac en train de voler, je te dis je vais te mettre en prison jusqu'à la fin de ta vie, ben tu vas mentir parce que c'est la dernière option qui te reste à faire. Mais non, parce que ce sujet-là, qu'est-ce que ça me change de te dire la vérité par rapport à toi, Riz? Rien. Bon. Je n'ai jamais serré la main de la PEC pour dire des informations sur toi, t'es fou. Tout ça pour dire qu'à la base, moi je t'aimais bien. Voilà, je te moi aussi à la base, mec. Oui, à la base, mais que je te déteste du plus profond de mon cœur parce que t'es une très mauvaise personne et je vais même aller plus loin, Charlie. Les pires personnes au monde, c'est ceux qui sont persuadés qu'ils sont des bonnes alors que c'est pas le cas. Tu vois, moi par exemple, je sais que je suis une mauvaise personne. Moi je sais que je suis une mauvaise personne. Toi t'es persuadé d'être une bonne, t'es persuadé d'être dans le camp du bien alors que tu te trompes sur toute la route. De A à Z, tu te trompes. D'accord. 26 pour All Unit. T'es une merde et tu t'es fait attraper, Charlie. Il n'y a pas d'intervention, je vais vous demander de faire un 19 général. Ah ouais. Bon bah je te laisse croupir ici, hein. Je vais aller reprendre toutes sortes de bavures, hein, puisque je suis bon qu'à ça, ma petite Charlie. Hein. Ça doit être ça. Allez, bonne soirée. Salut Moïse. Salut. Ouais. Ça va Tyson? Ça va, mon champion. Je disais pas salut à toi. C'est pas du tout ce qu'il non, pardon. Non, mais y'a pas de soucis, je peux te dire salut à toi aussi si tu veux. Hein. Par rapport au pièces, c'est bon. Qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'es ici? Bijouterie. Voilà, merci. Regarde là. Par merci beaucoup. C'est quoi ces cheveux de cour là? C'est quoi ces cheveux de cour? Bah, ça pousse quoi, c'est Wada for the Bonaman quoi. Quoi? Bizarre. Il faut, surtout sur quoi? T'as dit quoi? C'est quand on. On est fouet, mais pas de la même merde. Voilà. Là va. Ouais. Il a un problème. Non, Paloma. Ah, mais Whitney, tu apprends un accent. Comment ça, un accent? Mais pourquoi tout de suite, tu prends une intonation différente, il prend un accent. Et puis même, c'est honorable. Ça va, beau frère? Oh là là. Et lui, il a fait quoi? Bijouterie aussi? T'as obstrué. Braquage et bijouterie. Pardon. 26. Alors, maître Cid, ça va? Ça va, un petit peu. Il tâche par terre, mais c'est banal. Justement, il demande. Il demande. T'as suivi le truc de Charlie ou pas? Quoi? T'as suivi le truc de Charlie? Ben, ça a dit au dispatch comme quoi elle avait balancé une enquête à un mec qui était sous enquête. Elle a balancé une enquête à un mec qui était sous enquête, c'est-à-dire? En gros, Alzheimer, ok, et sous enquête, le et proc. Elle lui a dit. Ouais, le proc. Le proc était sous enquête? Oui, et elle lui a dit. Qu'il était sous enquête? C'est ça? Oui, le proc, ouais. Ok. Non mais, pourquoi t'es étonné? Non, c'est des vraies questions que non, je te pose. Je croyais que tu m'avais pas... Ok. Et après, Maxine est venue me voir. Et apparemment, Charlie aurait eu Darwin au téléphone. Il a dit devant l'enquête civile. J'ai rien écouté quand il dit va parler en fait, pour être honnête. Attends, quoi? T'as dit quoi? C'est pas possible ça. Non mais quand Kay me parle, j'arrive pas à me concentrer. Charlie était au téléphone avec Darwin. Ok. Michael Darwin. Ok. Avec d'autres personnes dans la même pièce. Et elle a confirmé devant tout le monde. Que j'avais tué Lenny. Mais elle a confirmé d'où elle peut confirmer ça, elle. Elle le savait. Oui, mais elle le savait comment? Je lui ai dit. Ah. Il y a longtemps. Ah oui, c'est vraiment une pute. Oh, attends, ne me dis pas que tu lui as dit pendant que vous étiez amis. Est-ce que vous pouvez aller ailleurs, s'il vous plaît? Si. Pardon. Oh là là. Bah, monsieur Bremen, sortez le temps de consulter le DA. Elle, je vais la laisser ici, Paloma. Ah, d'accord. Mais attends, mais c'est vraiment pas bien. Paloma, vas-y. Ok. Oh, mais merde alors. Oh merde. C'est quoi ton famille déjà? Viens sur parking. Mais même plus Paloma Solis. Mais ça au-delà de l'aspect judiciaire, c'est pas bien quoi, c'est une connasse. Ah ben entre ça et le truc de Cooper, bon. Quel truc de Cooper? Elle te rappelle pas ce qu'on avait vu dans les petits papiers de 03, la dinguerie? Ah oui. Je lui avais dit à grave longtemps, mais ça c'était grave aussi. Bah oui, ouais. C'est à cause de ça que je lui parle plus de base. Plus du tout, tu vois. Mais je suis... La victoire a un goût amer. Ouais. Parce que... Je suis pas impacté dedans, mais bon. Après, je savais... Ouais. J'aurais bien aimé avoir mon nez là-dessus, mais bon... Je savais que le temps ferait les choses, qu'elle finirait par faire une erreur sans que j'ai besoin de bouger le petit doigt.
Ah, c'est mais, comme Austin, bon. Comme tous les autres, hein. Tu sais, comme Bobby aussi. C'est... Il y a un moment, la justice fera. Hein, c'est fou quand même. Hein. C'est fou que. C'était une chasseuse de ripoux et. Soit elle qui finisse par être derrière les barreaux. Ah, Tyson. Ouais. T'es en train de parler de Charlie. Moyens, et puis voilà, c'est tout, hein. Ah, c'est fou, coup, ils nous ont tout expliqué là au dispatch. Elle était à bowling, etc. Ils l'ont ramené là, je crois que. Ouais. Ah, comme quoi, Tyson, t'as vu les ripoux, enfin, ça combat les ripoux. Chasseur de ripoux, et au final, ouais. C'est une daguerie. Elle fait des rappels, mais elle s'en rappelle plus. Ouais, ah, c'est abusé. Hein. Ah, je crois qu'il ah, là, je pense qu'elle est vraiment dans une sauce, mais sauce maximale supplément piment, je pense. Ah là c'est... Bah de toute façon elle perd son... Ah, je sais pas comment elle sort sur elle le perd là, son mais... travail là. Non mais là elle le perd. Putain bon je reviens la narguer un petit peu. Non mais... Prise. T'as bien raison, fonce mon champion, fonce. Oui oui allez-y. Monsieur allez-y, je gère, vous inquiétez pas. Parfait. Oh, et Riz. Voilà c'est tout. Vas-y j'avoue je suis pas mal. Riz, j'ai besoin de toi s'il te plaît. J'arrive dans une seconde. Ouais, il prend une petite photo là. Allez, où je suis ? Bonsoir, 18. Ciao mes puces ! Allez, ciao madame. Et moi je peux pas sortir moi. Non, mais c'est juste que je trouve ça ironique, Charlie, c'est pas content hein. Ouais, oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, viens. J'ai une demande à te faire, savoir si t'as des infos sur quelque chose. Je me présente pas du coup, vous savez qui je suis. Mais tout le monde a une coupe de cheveux ou quoi ? Est-ce que t'as des infos sur des pièces d'or qui tourneraient en ville ? Des pièces d'or qui tourneraient en ville ? Ouais. Des pièces d'or qui tourneraient en ville. Des pièces d'or comme ça, tiens. Hier, oh, putain, on a 11 et le Jusite qui sont fait prendre en otage. Ouais. Ils ont chacun d'entre eux reçu une pièce de j'allais ce type-là. Le et ces pièces, d'après ce qui a été dit à Cid, sont des pièces que... C'est vrai qu'il y a des... Mais je crois que de ce qu'il m'a dit 11, il faut qu'il les garde sur eux, non ? Non, ça c'est des pièces qu'on a trouvées sur un mec qu'on a arrêté. Cid, de ce qu'il m'a dit, c'est des pièces comme quoi, d'après les Mayans ou les Crips qui l'ont pris en otage, ce seraient des pièces qu'ils utiliseraient pour faire des paiements. Ok, bah de ce que 11 m'a dit, moi ça a une toute autre utilité. Ouais, lui m'a parlé d'un jeu qui pensait aussi que c'était un jeu. De me... Ouais, c'était une, et une menace de mort. Une menace de mort plutôt. Mais là, pourquoi il y a un mec qui en a 16 sur lui, tu vois. Ah, peut-être qu'il a eu reçu 16 menaces de mort. Ouais, c'est beaucoup quand même. Non. Peut-être. Bah c'est pour ça, moi je te demande l'info si t'as des infos là-dessus. Attends, parce qu'en fait, j'ai un souvenir avec des pièces d'or, mais je me rappelle plus si c'était moi. Pour moi, ça m'a fait penser au film John Wick. Moi, ça me fait penser à l'époque, Caio Perico, je crois que c'était moi. Genre, en gros, attends, c'était Riz, hein. Ok. En gros, c'était genre un pesos, ouais. Un pesos, il te le donnait, et en fait, ça te donnait un service avec la pègre, comme dans John Wick, ouais. Ouais, comme dans John Wick, en gros, ouais. C'est le même délire que je pensais. Mais après, ça remonte, c'était Caio Perico, je crois. Je crois que c'était. Mais là, ça fait 4 mois, c'est ça a explosé. C'est Cletus, hein. Je crois. Bah, je sais pas du tout. Enfin, j'étais pas là, pas de mentir. Pas date. Ok. Donc, moi, c'est savoir si t'as des infos là-dessus, vu qu'on doit ouvrir une enquête sur ces pièces d'or, savoir si c'est pour un jeu de meurtre ou si c'est de l'argent illégal. Ok. Bah, vas-y, je vais me pencher là-dessus. Vas-y, parfait, bah, si t'as des infos. Et attends, Charlie. Alors, prendre quoi du coup ? Bah, je sais pas, je suis pas sur son enquête. Ah, t'es pas dessus ? Ok, ça marche. Non, c'est KD91. Vas-y. Ouais, je me rappelle, hein. Tu es procureur ? Ah, viens de là. Comment elle t'appelle Chante Charlie, chante Charlie. Ah, qu'est-ce qu'on desserrait au fond de cette boîte ? Chante Charlie entre l'huile et les aromates. Je suis stupéfait de cette nouvelle, boîte. Chante Charlie. C'est là qu'il fonce. Oh, oh. C'est là. Eh. Oh, y a une... Tu crois où, toi? Toi, tu crois où, là, oh. Toi, tu te crois où, toi? Mais t'es un bête ou quoi, là? Mais Charlie, c'est une ancienne collègue, c'est une traître, y'a pas d'ancienne collègue. Oui, bah, j'aimerais bien lui parler, quand même. Je veux lui faire un traitement de faveur parce que c'est une ancienne collègue, en gros, c'est ça, t'es un ripou. Non, j'aimerais bien lui...
Quoi ? Y a pas de traitement, y a pas de traitement de faveur. C'est, elle est incriminée. Y a pas de traitement de faveur, d'accord ? Elle écoute pas de la musique. Donc tu retouches à ce poste, je t'encule. Doucement. Ok ? Laisse-moi parler à Charlie là, laisse-moi parler à Charlie. C'est là qu'il fonce. Bonsoir. Un autre que tu ne vois qu'une fois par an. Mais pourquoi vous coupez cette putain de musique ? Parce que madame va aller avec son avocat discuter. Yes. Ah. Je peux savoir ce qui se passe ? Merci beaucoup madame la juge, je peux savoir ce qui se passe. C'est moi. Bigoustine. C'est quoi ? Bah, y a des gens, l'avocat. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ? J'entends comme quoi des musiques, son ministre, je ne sais quoi. On est où ? On est dans un spectacle ? On n'est pas au poste nord déjà. Premièrement, pour commencer, donc tu vas redescendre, Austin. Tu veux pas que je te rends cul comme je t'encule devant le truc ? Rappelle ou pas ? Rappelle, Austin. Là, t'es pas chez toi ici. Capitaine 17. Stop. La moindre des choses, d'accord ? Capitaine, s'il vous plaît, pouvez-vous parler à votre superviseur, lui dire rappeler une chose ? Parce qu'un lieutenant, d'accord, quand il donne un ordre, on ferme sa gueule et on dégage, d'accord ou pas ? On n'est pas dans le poste nord, d'accord ? Viens. Si t'as major, ça change pas. Tu peux même être capitaine, je te baisse ta mère, Austin, je te baisse ta mère. Franklin ? Tu comprends ? Je te baisse ta mère. Ah, c'est ça, tu tires tes pouvoirs parce que tu peux pas gagner cette guerre, tu le sais, hein ? Mise à pied de quoi ? Enculé, là. S'encule aussi. Donc toi et ta grand-mère, oui, pardon, capitaine, Sors de là. Excusez-moi, capitaine. Sortez de cette pièce, s'il vous plaît. Ça c'est très bonne idée. N'en rajoutez pas s'il vous plaît Austin, sinon je vais lui demander de rester. Voilà. Maintenant sortez. Justement pas parler au passage. Je surveille les détenus, capitaine. Vas-y, j'y vais. Ouvrir à madame Hunter qu'elle puisse discuter avec son avocat. Bon courage Charlie, bon courage. Merci. Charlie, stay safe. Hein. Stay safe Charlie hein. S'il vous plaît, arrêtez. Take care. Oui. Allez. Mais en fait le problème c'est que je vous jure j'aurais pu rester comme ça jusqu'à 2h du matin, je vous parle sérieux les gars. Je vous parle ça. Au sunset du 17, vous me recevez ? Le 11, il y a des 10-60 qui ne sont pas pris, s'il vous plaît. On y va les deux. Merci. De 26 pour 17. Allez écoute. Il y a votre rookie qui vous attend, vous êtes en tango ? Elle est où ma bagnole ? Je suis en cellule actuellement, j'ai un souci. Elle est où ma bagnole ? Bonsoir. Elle est en bas du parking Bellevue. Bonsoir, mes respects. Qu'est-ce qu'elle fait en bas du parking Bellevue ? Bonsoir. Vous permettez que je m'occupe de la voiture là ? Évidemment, allez-y, ça me fait mal au cœur de voir ça. Les véhicules. Oula, bah j'ai pas de. Aïe ! Ah ! Enculé Benito ! Mais j'ai pas fait exprès, mais. Oh, pardon ! Ça va ? Madame ça va, oui. Le... 26, il est avec qui Tyson ? Il est avec moi, on est en DOA. Ok. Tu le veux ? Elle dit quoi ? Tu le veux ? Je veux qui ? Bah, Tyson ? Ouais, pourquoi tu me donnerais Tyson ? Bah, t'es un copain ? Tu veux qu'on. Après, si tu t'en. Qu'on part tous les trois ? Vas-y, je suis pas contre. Après, si tu veux pas partir, okay. Qu'on part tous les trois. Ah, si, on peut, mais je sais pas. Et... Bah, je sais pas non plus, je sais pas. Tu me dis. Go, on part tous les trois. Ok, bah go. Allez, go, c'est parti. Après, si tu veux pas, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est toi si tu veux pas. Non, moi je veux bien. Au contraire, ça me fait carrément plaisir même. Averti, j'ai le dispatch, hein, donc j'ai la tête dans le dispatch. Peut-être que moi je veux pas. Autant on s'en fout, donc. Ok. Non, mais Charlie, elle est en. Charlie, elle est en prison. Et si c'est ça le plus beau jour de ma vie, je me demande si c'est quoi le plus beau jour de ma vie entre aujourd'hui et la naissance de Sadie. Oh bordel. Non arrête. Quand même, tu commences pas. Il me faut de l'eau, faut que je puisse aller boire un truc les gars. Mais attends, j'ai à boire. Madame 06, vous êtes sur quel 10-60 s'il vous plaît ? Ancien concesse. Il te faut un truc à boire Sadie ? 9-4 pour 17. Ah bah c'est bon, on m'a donné. Merci. C'est qui m'a donné ? C'est pas moi. Il est à côté de moi, transport. Pas toi ? Bah, non. Pour pas... Tiens, on patrouille avec Bush et Dispatch, avec... Il est au niveau des cellules. Escale, j'arrive. 15-10-3. Je fais mon travail. Mal technique. Merde, on m'a entendu radio. Oh putain, c'est Duchesne. Duchesne, viens ici. Duchesne, viens ici. Non, ça pas du Qu'est-ce que tu fais là, Duchesne ? Tu fais quoi là ? Mais il parle avec nous ! Je fais ma reconversion professionnelle, pauvre merde. C'est quoi ta. Comment ça va ? Reconversion dans quoi ? Tiens. Ah, mais ce mec est le meilleur joueur du serveur, ça.
Ah ouais? Ouais, je suis jardinier. C'est cool, t'as arrêté les bêtises. Bah ouais, boy, qu'est-ce que tu crois? C'est bien, tu tailles les buissons, bien joué, du chien. Exactement, je tends les pelouses. Ta gonzesse, elle a besoin d'un petit rafraîchissement, tu m'appelles, boy. Mais pourquoi tu viendrais pas tondre les pelouses du PDP? Ah, 03 à 19, ouais, avec plaisir. Ah, on a des arbustes, ah, des pelouses. Ce soir, je suis complet, par contre, demain, ça sera possible. Vous arrêtez des gens avec... Ben, vas-y, en plus, il y a une petite pelouse à côté des saisies, ça serait bien que tu ailles faire un petit tour. On en a actuellement. Eh ben, c'est parfait, écoute. Je dis, et puis demain, je viens, je me ramène avec mon matos. Vas-y, donne-moi ton numéro, comme ça, je te rappelle. 54-90. Du Shane. Allez, nickel, on va faire ça. Tu l'as mon number à moi, tu l'as mon number? Bah ouais, je le connais. Ok, super. Ça va les creeps? Madame 09, allez sur les derniers 60 au niveau de OEK. Vous êtes pas les creeps? Non. On est les baby creeps. C'est vous qui avez des clubs ou pas? Ou rien à voir? Vous êtes où? Non. Ok, putain. Tu cherches Ice, c'est ça? Au poste? Ice et les autres, ouais. Ok, à l'arrière, on arrive. Non, ils sont pas Ice. Vas-y. On arrive. Salut. Belle montre. Go au poste. Au poste? Ouais, ils ont arrêté un mec qui vendait de la drogue. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Non, on n'est pas dispo, on est pas dispo. Un mec qui vend de la drogue, c'est bon. Oh, oh, 26 quand même. C'est pour la DOA? 26, un mec qui vend de la drogue, c'est bon, ils lui mettent une amende, s'en bat les couilles. S'en bat les couilles. Non, mais vraiment, je sais pas si c'est une bonne idée, Cade, que j'entende vraiment. Tu me tiens au courant? Merci. A plus tard. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, ça va aller. Ouais, Whitney, du coup, on pourra pas venir là de suite. Il dit, je suis occupé. Quand il y a quelqu'un avec plus de 10 pochons, c'est DO, hein? Bah, ça a toujours été comme ça. Ok, bah, y a que nous de la DO, je crois. Ah, bah, faut que vous veniez alors. Bah, il y a de la DO lui aussi. Attends, non, Whitney, toi. Et Whitney, t'es de la DO? Non, je ne suis plus de la DOA moi. Oui, bah, pas quelqu'un d'autre. Je suis plus de la DOA. Madame 15, on se rend sur le dernier braquage de conteneur. Attends, il a 18 pochons là sur lui. Il a des pochons de quoi? C'est de l'héro. Je pense que c'est intéressant, non? Ah, j'imagine. Parce que s'il y a de l'héro qui circule de nouveau. On va le prendre dans la voiture, au pire, on va lui faire la fameuse. C'est intéressant, 113, non? Oh! Franchement, non. Mais c'est de l'héro! Mais bah les coups. Ah mais de l'héro. Ouais mais. Il est plus là, ça recircule. C'est qui? C'est quoi comme mec? C'est qui comme mec? C'est quoi? C'est un mec de gang? C'est quoi? Tu viens d'où toi? Oh bonhomme. Inglewood, non mais ça j'avais remarqué ça. Là je te parle d'une une affiliation. T'en rendis quelque chose toi? Oh non, c'est dit côté gauche d'Inglewood. Oui, la Team Disciple, t'appelles comment toi? Raffaello? De Jésus, je t'ai recensé hier, toi en plus enculé. 01 pour All Unit. Allô? Allez, oui, 113 est convoqué au poste pour la capitaine 17, s'il vous plaît. J'arrive. Merci. Putain, mais oui, mais faut qu'on y aille. Au pire, 113, tu me déposes. Bah attends, sans que j'aille au poste, je suis convoqué par capitaine 17. 08, il est au courant, donc s'en occupe. Si jamais elles ne sont pas présentes, vous le mettez sous bracelet. On va envoyer vers Kay. T'as entendu? Non, pas de fire, hein? Ouais, j'ai entendu. C'est pas qu'il voyait avec 08, s'il vous plaît. Merci. 15 en code 5 sur le braquage de conteneur. C'est quoi le véhicule là? C'est pas là, une ici? Ah ça va, tout va bien? Founder. Ouais ouais, c'est le mec du camion, il est parti. Ah putain. Pourquoi il le signale pas? Il est convoqué par qui? 17. Pourquoi? Je sais pas, ils vont me dire parce que je mettais des musiques devant le devant la cellule de Charlie, je pense. T'as mis quoi? Je mettais ça va aller de Pidgey et j'ai mis J'ai mis la musique de Prison Break. J'ai mis vraiment un bâtard. J'ai mis clic clic pan pan pan. J'ai mis... tu as mis un petit Naps la kiffance. Ouais, j'ai mis Naps la kiffance, et j'en ai mis une dernière. Putain, j'ai mis Tu vas faire un showcase. Ah oui, après j'ai mis en tout premier, je mettais les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Vas-y, je reviens. Là, là, là. Ça va aller? Oui, ça va et toi?
Bon, Riz, Oh non, quand tu commences à, quand tu commences à te mettre comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je suis pas content. Attends, je vais même faire pire. Je t'assure, là, c'est grave. Oh non, ils ont encore chouiné le Nord. Ils ont encore chouiné, vas-y. Oui, ils ont encore chouiné et ils ont raison. Ça reste un membre de l'état-major. Tu leur dois le respect. Ça ne l'est plus. Si. Si. Elle est incarcérée, je n'ai pas manqué de respect. Ah non, non. Oui, non, bah. T'as quand même insulté Austin devant tout le monde, devant un juge. Ah, je parlais aussi, je parlais de Charlie. Oui. Non, bah Charlie. Oui, mais après. C'était assez dégradant aussi pour Charlie, ça, même si tu l'aimes pas. Regarde, on s'aime pas, on s'est jamais trop insulté finalement. Oui, mais c'est différent, c'est différent. Tu vois, Austin, on s'insultait avant qu'il y ait un grade qui nous sépare. Genre, c'est personnel entre lui et moi. Si jamais on est sur une opération, que c'est mon lieutenant, genre, il me dit de faire un truc, je vais le faire. Là, c'est juste personnel quoi. Ouais, bah lui, il l'a pris, il a raison, on est au sein du poste et. Bon, il a dû faire jouer son grade. Bah oui, bien sûr, 17 quand même, s'il te plaît. Donc j'hésite sur la punition, mais il va y avoir punition quoi. Il va y avoir punition. Tu as pu dire parce que j'ai insulté Austin. Oui. Ah ouais, je vais prendre mon pied là. Ben regarde, je préfère être honnête avec toi, Shane. Ouais. Quoi que tu décides de mettre comme punition, sache que je la respecterai pas, d'accord? Tu vois, on va pas se mentir. Je vais pas te faire un coup dans le dos, un coup de Trafalgar, un coup de pute ou quoi. Mais peu importe ce que tu décides, en tant que capitaine, eh ben, sache que je le respecterai pas et que ben j'assumerai les conséquences de pas respecter cette punition que je trouve d'avance injuste. J'allais te mettre une toute petite punition et du coup tu préfères partir sur un truc qui va grossir quoi. Bah en fait c'est le principe. C'est quand même dommage. C'est le principe que c'est moi qui te donne. Non, pas du tout. Non, je te jure. Non, pas, ça a rien à voir avec toi, C'est le principe que Austin et moi c'est personnel, tu vois, ça a rien à voir en truc SASP et faut pas qu'il règle ça en tant que SASP, tu vois. Qu'il aille chouiner auprès de toi. Toi, c'est normal, toi, t'es capitaine. Il faut que tu prennes une décision. T'as un lieutenant, il vient, il chouine, il te dit ouais. Tu vois. Je comprends. Regarde, c'est ce qu'on va faire. Tu vas l'appeler devant moi, tu vas mettre le haut-parleur et tu vas dire que c'était purement personnel, que ça n'a rien à voir avec le boulot et que. Vas-y, mais je vais l'insulter. Bah non. Si. Bah tu dis que c'est personnel, quoi. Mais par contre, vous faites plus ça en service, plus en cellule. Vas-y, donne-moi son numéro, donne-moi son numéro. 63-57. 3-57, ça marche. Il est pas là, commandant? Non. Je pensais que oui. Oui, allô. Oui, Austin, ça va? Ah, petit enculé. En tant qu'agent, tu présentes tes excuses. Ça va. En tant qu'agent, tu présentes. Oui, okay, en tant qu'agent, ouais, petit enculé. Bon, alors, il y a deux choses. Je tiens à te rappeler que quand je t'ai insulté, d'espèce de gros sac à merde, de petit enculé de merde, et que je niquais ta grand-mère la pute. Tu parlais à l'humain, c'est ça, pas au lieutenant. Voilà, c'est ça, Austin. D'accord, je t'encule. D'accord, je t'encule. En tant qu'humain ou en tant que lieutenant? Les deux, d'accord. Les deux. Je vais dire quelque chose, mon copain. Qu'on soit clair, tu m'as manqué de respect. Ouais. Il ne faut pas manquer de respect pour aucune raison, tu comprends ou pas? D'accord, mais après. Moi maintenant, Riz, je respecte le fait que tu sois sergent-chef, mon copain. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait une sanction et qu'elle soit pas dite devant tout le monde, quoi, tu vois. Ok, mais je vais te dire, Austin. Tu vois, en tant que lieutenant, je te respecte parce que j'ai pas le choix, c'est la hiérarchie, d'accord? Mais en tant qu'humain, je pisse sur ta grand-mère la pute, dans sa tombe. Sa tombe, je viens, je prends une pelle, je fais un trou, j'ouvre la tombe à ta grand-mère la pute, je lui pisse dessus à cette pute de ta grand-mère la pute. Elle a mis au monde ta mère qui t'a mis au monde toi, je lui en veux à cette connasse. Je lui en veux à cette pute, je te crache dans la pute, ta mère la pute, nique ta mère la pute. T'as pété les plombs. T'as dit quoi, Shane? Sur sa grand-mère. Tu te rends compte de ce que tu dis? Elle a mis au monde la mère d'Austin qui a mis au monde Austin. Non mais sa grand-mère, je l'ai déjà vu, elle marche avec un déambulateur. Tu lui pisserais dessus? Elle est pas morte celle-là? Je crois pas. Mais bien sûr, je lui pisse dessus. Elle a mis au monde la mère d'Austin qui a mis au monde Austin. Oui, bah ça y est. Bon, ça va. Je laisse passer pour cette fois parce que vous êtes rabiboche. Bah oui, c'est oui. Allez, dégage. Ouais, merci, capitaine. Est-ce qu'il y a une unité possible pour démarrer? Zéro, un négatif. À la France, radio, là. Est-ce que vous pouvez vous déployer en Marie, s'il vous plaît? Ouais. Ah, t'es où? Damon. Et prends une voiture et viens au barrage. 4-4 sur au barrage? Ouais, au barrage. Zéro, j'arrive. Pourquoi y'a quoi? Je vous remercie. Je dois questionner là, on va questionner un petit. Merde, putain, j'ai pas fait exprès de l'accrocher. Ils étaient en 10-38 sur Mirror Park Sentinel, j'ai plus la couleur foncée en tout cas. 10-5 pour la Marie, on a perdu la couture au niveau de Spanish Avenue.
C'est super. Moins de blabla, s'il vous plaît, et plus de réactivité. Ça va mal se passer. Hein. Oh loulou. My capitaine, ça. Attends, c'est le premier soir ou c'est le deuxième soir que Shiny est capitaine là? C'est le deuxième, mais ça compte. Est-ce qu'il va compter le premier? Je sais pas. En vrai, c'est une bonne idée là, de faire tourner les capitaines, étant donné qu'il y en a pas. Oh là là! Les gens pensent que je ne suis pas le pilotéron en moto, hein. Alors que je suis... Je suis là les collègues, je suis là. Si, je suis dans la dos du coup pour la première fois. Il y avait une moto. Il a fait doucement. C'était moi la moto, c'était moi. Ah c'est toi? Oui, c'était moi. Putain. Ah merde. Qui est arrivé de la montagne là-bas? Oui, oui. Ouais, c'était moi. Il a fait quoi celui-là? Il a fait quoi? T'as fait quoi, espèce de sac à merde? T'as fait quoi petit fils de pute? T'as fait quoi? Doucement, il pourra plus répondre après. Vas-y, pose-lui des questions. Si jamais il veut pas répondre, tu m'envoies. Non, juste explique. Il a plus d'une dizaine de pochons d'héroïne sur lui. Tu l'as eu, cette héroïne, enculé, va! Tu l'as eu, cette héroïne! Hein? Je te dirais pas. J'ai pas envie de mourir. T'as pas à me dire? Arrête avec ça. T'as pas à me dire? T'as pas à me dire? Si je te le dis, je vais mourir en fait. Non, justement, si tu me le dis pas, tu vas mourir. Madame 15 actuellement. T'es sûr que tu veux me tester? Vas-y, attends, je suis pas là pour tester. Je vais pas tester. Ah, pour le dernier des 60. Je suis pas là pour ça. Alors, en gros. T'as dit quoi avec tester là? Non, je suis pas là pour le tester. Ah, ok. Madame 15, on se rend sur le dernier braquage de Il nous fait la classique. On lui fait comprendre qu'on sait que c'est la classique. Il nous dit écoutez, je peux pas vous dire parce que j'ai pas envie de mourir. Et je vais lui faire comprendre que. Entre nos mains, ta vie elle est en danger aussi, mon champion. Il dit quelque chose, ce pétard 26. Ok, c'est ok. 36 de 18. Il va te faire foutre. Hein? Moi, je voulais juste faire ça pour un peu de fric. Ah, mais attends, proche, il va te faire foutre. C'est pas. C'est moi qui m'en suis servi, c'est pas toi. C'est mon pétard de meurtre. Avec, j'ai tué Michael avec. Quoi? Michael qui? Le... Un mec de l'IA. Mais attendez. Attends. Hein? C'est quel mec de l'IA? Allez, écoute. Ah, c'était pas au courant. Ok, parfait. Vous êtes tous les trois, hein? Ouais, on entend go. Tu fais enculer, mais tu... Non, mais tu... Bon, on revoit faire la tango. Attends, je fais le gentil flic, je fais le méchant flic, ok? Iskat, bah mettez votre dispatch à l'agent, s'il vous plaît, vous êtes marqué en français. Allez, va. On occupe. On en parlera plus tard. Peut-être que tu te considères en bas de l'échelle, mais l'échelle petit à petit elle se grimpe. 15 actuellement, code 5 sur le dernier braquage de conteneur. Comment c'est parti? Elle le savait pas. Un petit nom, où c'est que tu l'as acheté, machin, etc. Un truc, un petit pain sous la dent, une petite miette, un petit truc. Elle le savait, moi. Raffaello. J'ai acheté cette dans la rue, j'ai aucun. Ah, vous achetez un 26? S'il te plaît, mon grand. S'il te plaît. Là, je te jure. J'ai pas envie qu'on en arrive là, vraiment. Ah bah moi non plus. S'il te plaît. Et donne-nous quelque chose. J'ai rien, malheureusement. Tu l'as acheté où? J'aurais aimé te dire le plus grand des barons. Mais non, la preuve, t'as dit, je peux rien te dire, sinon je meurs. Ah oui? Bah, je veux juste savoir où c'est que tu l'as acheté. Juste ça. Tu me dis quand ça à moi, 26, hein, tu me dis. Hein. Non, t'inquiète. À Inglewood. Inglewood? Ouais. Ok, donc t'habites à Inglewood, tu l'as eu à Inglewood. Ok. Quel côté? Côté Crips ou en face? Côté Crips. Ok.
C'est mon tour ? Je crois qu'il a répondu là, non ? Il ment. Il aurait c'est pas. C'est pas un mensonge, c'est pas un mensonge. Il a pas peur des gangs, Ventis, arrête d'être bête, s'il te plaît. Il a pas peur des gangs. Il a pas peur des gangs, il va pas avoir peur des Bloods ou des Crips ou je sais pas quoi. Il a pas peur d'eux, il a peur de bien plus gros. Pas vrai ? Comment je t'appelle ? Ouais, Whitney. Moi je m'appelle Raffaello. Regarde Raffaello, Raffaello, t'as vu, y a une personne au monde qui me fait rester, qui me fait pas devenir fou, d'accord, c'est 26, là elle est au téléphone, elle a le dos tourné. Raffaello, je vais prendre mon Glock, je vais l'enfoncer au fond de ta gorge, et ouais, je vais appuyer sur la gâchette. Je vais te gâcher déjà toi, pour commencer. Il habite où? Quoi? À Inglewood. Où ça, Inglewood? La Team Disciple. C'est quoi ça, la Team Disciple? C'est tout nouveau. Tout nouveau de quoi? Tout nouveau c'est de quoi? C'est un mouvement, c'est un gang, c'est quoi? C'est quoi? C'est un mouvement. C'est quoi, un mouvement ou un gang? Un mouvement, un petit mouvement ou un grand mouvement? C'est une backup pour 26. Vous êtes combien dans votre mouvement? On est beaucoup. Combien? Il y en a un autre d'Inglewood avec la même drogue. Vous avez une couleur? Non, vous avez pas de couleur, vous avez un code vestimentaire, vous avez quoi? Rien du tout. Donc écoute-moi bien, monsieur rien du tout, monsieur Latin King de Latin Disciple de fils de pute. Je vais te prendre, je te jure que t'as vu là, toi t'es tout nouveau. Mais tu penses que parce que t'es tout nouveau, je vais pas te mettre une balle dans le crâne? Et que je vais pas te jeter dans le barrage? Tu penses? Dis-moi ce que tu penses. Non mais réponds, dis-moi tout, oui ou non. Pas du tout. Tu l'as eu où ta cam? J'ai dit, je l'ai acheté une Inglewood. Bon, attends, il veut pas comprendre. Il a du mal à comprendre. Je pense qu'il dit la vérité. Moi, je pense qu'il a du mal à comprendre. Ça fait haut là quand même. On a combien de mètres? Bien évidemment que ça fait haut. Arrêtez les conneries là, putain. Je pense que là, on a au moins 20 mètres là, minimum. Il y a 40 mètres là. Arrête. Ok, monsieur Latin Disciple. Je vais te reposer la question de dernière fois. Tu l'as acheté où ta cam? À Inglewood, putain. Où? À Inglewood, à qui? Les VN des UMS, on voit si tout se passe bien. Eh ouais, tu vois, je vais te dire, rappelle-moi ton nom. Raffaello, tu vois, t'es arrivé plein d'espoir à Los Santos, tu t'es dit, ouais, la ville des opportunités. Non, c'est pas la ville des opportunités, c'est la ville des ripoux. Je vais te mettre une balle derrière la tête, tu vas prendre la balle, t'auras même pas le temps de voir la balle arriver ou de me voir presser la gâchette. D'un coup, ça sera écran noir, boum. Tu me suis, Raffaello? Tu vas crever aujourd'hui, tu vas crever, Raffaello. Tu l'as acheté à qui cette cam? S4 95. C'est pas de la pression, je te jure, c'est pas de la pression. Tu l'as acheté à qui cette cam? Réfléchis bien, Raffaello. Hein. Je réfléchis, je peux pas le dire. Raffaello, hein, répond. Tu l'as acheté à qui? Tu l'as acheté à qui cette cam? Dernier avertissement, Raffaello. Raffaello, tu sais, je vais te dire, hein. Je vais te dire, c'est très honorable, les gens comme toi, tu vois. T'es prêt à mourir pour tes valeurs. Mais là, tu vas vraiment mourir, c'est pas que des paroles, tu vas vraiment mourir, Raffaello. Pour tes valeurs. Et tu seras une mort honorable, tout ton gang il te pleurera, il dira Raffaello, il est mort comme un bonhomme. Mais tu seras mort, Raffaello, tu me suis? Tu veux mourir comme un bonhomme ou tu veux rester en vie, Raffaello? Raffaello, s'il te plaît, parle. S'il te plaît. S'il te plaît, ça va arriver vite, Raffaello. Pas divulguer, Raffaello. 60 secteur agent Simo. Non, respecte pas ça, s'il te plaît. T'es sûr, Raffaello? T'es sûr? Après des accidents au barrage. S'il te plaît, non les gars, arrêtez, non. Riz, fais pas ça, s'il te plaît. Il veut pas coopérer, 26, il veut pas coopérer. C'est pas grave, il nous a donné un peu. Inglewood. J'ai rien à vous donner, je l'aurais fait. On a trouvé un autre mec aussi, qui a la même cam, ok? Et c'est ma première bêtise. Madame 15, s'il te plaît. Code 4 sur le braquage de Côte-Neuve. On va enquêter, d'accord? Bien. Écarte-toi, 26, écarte-toi, je vais lui mettre un petit coup de pied au moins, non? Non. Il y a combien des gens qui tombent du barrage chaque année? Oh putain, il est fort, ça. Il a mis un coup de pied dans ce sens-là. Non. Ah ben là, je peux plus lui mettre de coup de pied, je suis dégoûté là. Bah c'est vrai. Par année, il y en a combien qui tombent du barrage? Je pense qu'il y a au moins 10 morts par an. Il y en a plein, ils viennent, ils se mettent ici, ils sautent. Hein. Bah ouais, on va faire partie du quota. Oh putain. Oh, j'y vais. C'est bon, je vais bien, les collègues, je vais bien. Non mais s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, venez, on... D'accord, on peut faire peur, d'accord, on mais... Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. C'est de la mauvaise herbe, c'est des bois que rien ça. Ça c'est des bois que rien, on s'en bat les couilles, c'est une vie, c'est même pas une vie. Ils ont même pas d'âme ces gens-là, ils vendent de la drogue, 26. Mais qu'est-ce qui se passe quand on laisse la mauvaise herbe, Vanzis? Qu'est-ce qui se passe quand on laisse la mauvaise herbe? Arrêtez là, vous racontez ça comme si vous alliez chercher du pain là. Vous devez évidemment être en service et ils vous demanderont éventuellement votre carte de service. Qu'est-ce qui se passe quand on laisse la mauvaise herbe? Ah, je sais pas, tu passes la tondeuse.
Oui, oui, tu passes la tondeuse, oui. Non, bonne si réponse. Tu passes pas la tondeuse. Mais est-ce que c'est à nous de le faire? Oui, c'est à nous de le faire. Bah, c'est notre travail qui va le faire. Non, il aurait tué des flics. Bon. Tu vois? Oui, merci Bobby. Là, ça va faire bizarre quand même. Whitney nous donne un mec. Le mec, il est pas en cellule. Et là, Whitney me rappelle. Comprenez un peu? Et oui, Whitney. Oui, on arrive. On arrive, on arrive. On a eu un accident sur la route. On arrive. Enfin, tu vois? Non? If I speak, I'm in big trouble. Big trouble. Big trouble. Riz, je vais dire quelque chose. Ouais, quoi? Okay, c'est ça fait deux jours qu'on s'est réconciliés. T'as pas fait de bêtises? Tu vas pas recommencer pour un mec qui vend de l'héroïne quand même. Ouais, mais ça m'énerve, ça m'énerve. En fait, il faut, bon, fille, c'est pas il faut faire passer ben un message. Les gens, ils ont pas peur de moi. Il faut. Oui, bah ils ont peur de personne, les gens. Oui, bah c'est pour ça. Il faut qu'ils apprennent à avoir peur des gens parce que sinon, je vais leur baiser leur petite mère là. Riz. Franchement, un coup de pied comme, dans, peu... comme okay. dans Sparta, je crie Sparta, que Sparta, Sparta. Boum, je mets un coup de pied, il tombe. Sparta, oui, oui. Mais... oui. Voilà. Nous sommes des Spartiates. Oh. Hey, on va pas tout baiser pour un mec qui vend de la dope, genre. Tu me dis un tueur de flics. Bon. Alors baisse tout là. Je l'entends, tu vois. Mais là, on s'en fout. Donc là, faut le ramener en cellule là. Mais pourquoi on doit le ramener non, en cellule? Non, on le ramène pas en cellule. On le démenote et on lui dit casse-toi. Genre. Vas-y, rentre, il voulait pas le voir en cellule ou je sais pas quoi. Non, c'est un autre. Ils ont chopé un autre mec qui habite dans le même côté que lui, avec la même dope. C'est bon, lui, coup de pied, ça le fait, c'est bon. Ah, super. 03, tu peux me faire un 10-35, s'il te plaît. Super, on a bien... Raffaello. On a bien discuté, Raffaello, et tu vas mourir. Non, arrêtez. Non. Raffaello, je te... L'ultime chance. J'ai donné la seule réponse que j'avais à te donner. Cuillère. Oh non, putain. Regarde, il va bien, il va pas mourir, il meurt pas. Mais les gars. Quoi? 03 est au courant qu'il était avec nous. Mais non, mais il a glissé, bah il faisait du VTT. Il a fait un délit de fuite. Menotté, il faisait du VTT. Bah il est sorti de la voiture et il a fait un délit de fuite. Écoute, ça arrive souvent. Sûr, on récupère 97 et 69, on part en bas. Pire, il était pas avec nous. Menotté. Non, il a pas les bonnes. On va le démenoter, c'est pas grave. Oui. On va vite aller éliminer l'épreuve. 26 la pauvre. Pour 26. Oui, attends, parce qu'en fait ce petit fils de pute il est parti en courant, 03 on le cherche là. On l'a avec nous. Ah bah on parle pas du même alors hein. Non, attendez, il parle vous de... Vous attendez, backup hein. Il y a des mouvements autour en plus. Ah ok, attends. On est à côté Tu peux y aller. En vrai si jamais vous y allez ça nous arrange nous. Pour la DOA hein, moi sinon je le relâche hein. Eh relâche-le, on se récupérera plus tard. Ça marche. Descends à droite là. Ouais. Ouais, attention quand même. Aïe, j'ai été sûr! 1018, 1041, secteur. Ah, j'ai vu la clignaison, j'en suis tombé mort. Madame 95, on se rend sur le dernier. Bon, écoute, 26, d'accord, t'as raison, j'aurais pas dû le faire, je suis désolé. Non, voilà. Mais tu me dis, t'as raison, une fois que tu l'as foutu un gros hypercute dans le cul, au bout d'un moment, réveille-toi, non? Je suis désolé, c'est bon? Je sais que c'est pas ce que tu voulais comme retour de patrouille ensemble. Ça fait tellement longtemps que t'as pas fait de bêtises, Riz. Tu commençais à être sur le bon chemin. 26, t'es quand même pas obligé de lui mettre un coup de pied dans le dos pour qu'il tombe, regarde la distance. Non, mais on parle d'un chien, on est dans une voiture. Je sais pas, là il a son nez au niveau de son trou de balle le mec quoi. Voilà, il est plié en deux ouais. Oh merde! Ah oui, niveau de la jambe, c'est pas beau ça. Ah, qui. Bon, au moins, il a envie. Ça fait plaisir. Ouais, ça, bah. Peut-être le peu d'eau qui reste qu'il a un peu, amorti, hein. On vient, on se casse vite avant que les EMS arrivent. Vu de la jambe, c'est pas beau quoi. Vas-y, ça va encore faire des cauchemars. En vue.
Pourquoi vous avez fait ces armes? Gna 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 ta gueule. Non mais vas-y, quand on fait des bêtises, elle fait des cauchemars. Immédiatement d'une tenue hazmat qui vous est fournie par le SASP, casier 101 pour les hommes et casier 105 pour les femmes. Arrivez deux mois. Non 26, vraiment je le pense, t'as raison, j'aurais pas dû le faire mais si... 26. 26. Oui quoi. Eh ben, c'est bon, tu vas pas me faire la gueule. Oh bah oui, bah c'est vrai que bon... Le mec demain il témoigne qu'on était là tous les trois comme des connards à te pousser du barrage. Mais si ça se voit que c'était pas une balance. Si jamais il a pas balancé pour la drogue alors qu'on le menaçait de mort, il va pas balancer ça. De toute façon il y a des témoins. Quel connard aussi, franchement il a eu peur de balancer qui? Oui je t'ai dit, moi pour moi c'est pas une gueuloude hein. Pour moi il est là, ça doit être un truc plus gros. Putain j'ai gardé son téléphone en plus dans la boîte à gants. Oh. Oh merde. Putain. Ah ouais, ça par contre ça fait chier ça. Putain mais il y a beaucoup de bandes de drogue là. Parce que c'est sûr il va revenir pour récupérer son téléphone hein. Mais tu crois qu'il y a un nouveau labo d'héroïne qui a ouvert? Et quand... Ah là on est paraplégique à lui là. Aïe. Ça va? Non. Oh la vache. Ah mais. Oh merde. Ouais. Ça va aller? Bof hein. Bah. Ils sont vivants ou? Je crois. Je pense. Ça va aller? Toujours la forme, toujours la pêche. Ah ouais. Bah toujours la banane. Toujours la banane. Ah là c'était un 10-910 là, c'est waouh. C'est quoi un 10-910? Ah ouais c'est... Ouais c'est une boutade mais avec des calls radio. Tu l'as pas? 10-80? 10-80... C'est un genre un 10-91 mais en pire quoi. 10-91 c'est quoi? C'est un accident grave, mais en fait normalement c'est 10-51 mais vu qu'il y a un agent de chez nous qui s'appelait... Merde, comment il s'appelait d'ailleurs ce connard? J'ai un trou. Bah 91. Comment il s'appelait 91 s'il vous plaît, j'ai un trou. Je sais pas là. Je sais pas, on sait pas de quoi tu parles. Mais si, Alsen Wilson, ouais. Voilà, merci. Ouais. Et ben voilà, du coup on appelle ça les 10-91 maintenant. D'accord. Parce qu'il savait pas conduire. Ok. Exactement. Bah super, très content de l'apprendre, capitaine, au revoir. Super. Capitaine de merde. Je passe à l'hôpital. Qu'est-ce qui pue la merde ce capitaine? Non, je rigole, ça va, je vais bien. Je fais quoi de son call téléphone? À ses casiers 100 pour les hommes et pas 101. Pardon, on peut en parler, 4. L'accident était vraiment beau. Ouais. On fait quoi de son téléphone de merde, ce connard? Je sais pas, mais faut qu'on... J'ai dopé la patte. Vas-y. Regarder notre GPP pour le moment ou c'est bon? Happy. Les Happy c'est bon ou Happy on le garde? Happy vous gardez. Ils sont tombés dans la ruelle. Ils doivent avoir leur véhicule qui est là-bas, viens. Adam 15, reprise de code 7. Donne-le à Riz. C'est quoi? On m'a donné le téléphone. Ferme-le ce gros craquette de Lost là. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ces dégâts qu'ils ont? Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez couper le contact s'il vous plaît? Oui. Adam 057. Ça va monsieur. C'est pour qu'on vous arrête. 11, si vous non. Croisez monsieur non. Janis Morent, non. Gérant du Premium Motors. Non. Moi je vais vous dire pourquoi on vous arrête. Physiquement, donc si jamais vous le croisez en contrôle. Ils vous ont donné quoi les individus? N'hésitez pas à lui prendre. 10, 4, ah, individus. Les individus là qui étaient avec vous dans le contrebas, là, ils ont mis des trucs dans le véhicule, qu'est-ce qu'ils ont mis?
Ils ont rien mis dans le véhicule. Ils vous ont donné à vous qui avez mis dans le véhicule après. Non, je discute avec eux, c'est Non, messieurs, on vous observe depuis tard, donc vous allez pas commencer à mentir ou je vais faire un contrôle qui va être vraiment plus poussé, vous allez être choqués, je vous le dis. Non, je peux vous assurer qu'ils nous auraient donné fouiller le véhicule. Ok, donc vous acceptez qu'on fasse un contrôle plus poussé. Eratom, j'accepte sur que le vous fouillez le véhicule. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse un contrôle plus poussé? Pour le véhicule, ouais, pas de soucis. Ah, pour vous aussi, pour vous aussi, du coup. Ah non, moi j'acceptais pas. Ah, vous acceptez pas, j'ai pas pu derrière. Ça, c'est un comportement quelqu'un qui a un truc à se reprocher, ça, puisque... Suspect, ça. Non, bah non. Non. Je suis pudique un peu, j'aime pas trop. Qu'on me touche. On vous a pas dit de vous mettre à poil non plus, hein. Ok, bon, alors, vous allez me présenter permis de conduire et carte grise, s'il vous plaît. J'ai pas. Non, vous avez ni l'un ni l'autre. Aucun des deux. Bon, alors, eh ben ça c'est un délit, ça justifie un contrôle plus poussé, Tyson, non? C'est ça, ça la loi, non 26? Ouais, oh bah putain. Ouais. Allez, bah on va descendre du véhicule, s'il vous plaît, là, tous les trois, on va se mettre contre le petit mur. On va faire un petit contrôle plus poussé. Allez, monsieur. Allez, trio. Oui, oui. Voilà, super. Tu t'occupes du véhicule, Tyson? Je m'occupe de ces messieurs. Ouais, pas de soucis. Si c'est de l'héroïne, hein. Si c'est de l'héroïne. Alors déjà, carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Pour commencer. Pas de soucis. Rojas. Je vous ai jamais vu, vous, Rojas. Mauvais désir, vous jamais. Non, jamais, justement, jamais. Ah oui. Non. Coque, mais what the fuck, mais comment les gens ils ont de la coque? Vous avez quelque chose à. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Rojas? Vous avez rien sur. Qu'est-ce que c'est ça, Rojas? C'est quoi? C'est quoi, petit sachet là? C'est quoi là? Ah, c'est de la levure à la myrtille. De la levure à la myrtille, on va aller vérifier ça, bougez pas, Rojas. Vous inquiétez pas, j'ai la levure à la myrtille aussi dans la bagnole. Ah ouais, t'en as combien à peu près? Parce qu'en plus, il y a des belles liasses. Ah la vue des, je sais pas, 25 je dirais à peu près. 25, une petite 25N. Ouais, une petite 25N, ouais. On fait beaucoup de gâteaux. Alors déjà, pour commencer, messieurs, la limite autorisée de liquide sur soi, elle est de 4000$, d'accord? Donc ça veut dire le reste... Parce que je dois acheter une sacoche à 4300. Ouais, mais bon, vous avez qu'à payer en carte bleue. Pour vous, c'est pareil mon petit monsieur, c'est 4000$ à la limite autorisée. D'accord? Parce que normalement je pourrais vous mettre une amende en fonction du surplus que vous avez. Hein. Vous me suivez? Oui, oui. Garde l'œil, je vais voir Tyson. J'analyse, hein. Tiens. J'ai jamais vu, hein. Sur Tyson, jamais vu, je sais pas ce que c'est. Je retrouve en 10-30, ouais, c'est ce qu'il avait aussi. C'est quoi cette couleur bizarre là? Ça, faut passer à l'analyse, hein. Pour moi, c'est soit une variante de cocaïne, soit soit des trucs des héros bizarres, je sais pas. Wow, 26. Non, pardon, je veux juste... Oh là, vous avez vu, les gars? Vous avez vu quoi? Oui, bon, ça va, je m'en sac, les gars. Vous avez vu quoi? Donc, du coup, je résume. Pas de permis de conduire, pas de carte grise, stupéfiant, excès d'argent. Donc là, soit vous allez passer la soirée au PDP, soit vous allez communiquer avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre celui-là, il va venir avec moi. Celui du milieu, il va partir avec 26. Et l'autre à droite, il va partir avec Tyson. Et on va vous poser des questions. Et il y a intérêt à ce que vos réponses correspondent. Hein. Et vous mettez pas à crier comme des trous de balles, là. S'il y en a qui crient, tu me dis, 26. C'est reçu. Tu l'as eu où, ta cam? Regarde, on va faire un deal. Si jamais vous jouez le jeu, vous me dites où vous avez eu votre cam, et vous repartez blanc comme neige. Mais t'as eu blanc comme la coque. Bon, pas comme la coque que tu vois parce qu'elle est un peu bleue. Non, elle est à la myrtille. Ah, la myrtille. Tu l'as eu où, ta cam? Je sais pas. Écoute, ni toi ni moi avons envie que tu dormes en prison, c'est vrai ou pas? C'est vrai que ça me ferait chier. Déjà, vous habitez où? Vous êtes qui? Je vous ai jamais vu. On habite Englewood. Où ça, Englewood? Où ça? Ancien quartier Crip. Quoi, vous êtes un gang? Ouais. Essayez de savoir si le mien habite avec l'un des votre. Garde-toi dans le cul. C'est bon, oui, c'est bon. Ok, et donc du coup, vous habitez là où il y a les Crips qui habitent? On les a virés, maintenant c'est chez nous. Mais non, ils habitent toujours là, je suis passé dans leur quartier tout à l'heure, ils y étaient. Ouais, mais eux ils ont une ruelle et nous on a tout l'autre côté. Là où il y avait les Bishops? Non. Vous avez récupéré la maison de Tata. Je viens de me le dire, la Team Disciple, les trois. Ouais. D'accord. J'avais peut-être un quatrième là, attendez. C'est bon, j'ai communiqué là, c'est bon. Non, je t'ai dit, ta cam, tu l'as eu? Je sais pas. Dis-moi si tu l'as acheté ou si vous la produisez vous-même.
Je l'ai acheté. Ok. J'en sais pas plus, je peux rien te donner de plus. Regarde, je te pose une dernière question et celle-là va te permettre de savoir si jamais tu vas finir libre ou pas, d'accord? Tu l'as acheté à Gros Poisson ou à notre gang? Je peux pas répondre, je sais même pas. Ah non, mais regarde, tu peux me dire Gros Poisson ou à notre gang, tu vois, y'a pas de souci. Mais j'ai pas l'information moi-même. Ouais, ben réfléchis bien, réfléchis bien. C'est cette question qui va te permettre de sortir Bois comme neige. C'est un grand chez nous qui nous la vend, donc te dire à qui l'achète, je saurais pas te dire. Ok, donc le grand de chez vous, il la récupère quelque part et. Après ça, je sais pas ça. Ouais, grosso modo. Ok. On procède à un 10-38 d'une. Ok, annonce. On va voir si jamais tes copains ils ont été aussi coopératifs. Fais pas le con à essayer de ces informations, je te mets une balle dans le genou, moi je te préviens, je suis Harry Potter. Ouais, ouais, t'as bien entendu. Oh, fils de pute. 4. Ok, venez, on va discuter. Ouais. Et pas. Bougez pas d'un poil là. Vas-y, c'est trop tard maintenant, ils nous ont donné ce qu'ils avaient à nous dire. Le mien, il a pas parlé, il a juste dit qu'il était SDF. Et quand je lui ai dit Latin Disciple, il a dit ouais, bon. Moi j'ai pas mal. Ouais, bon, c'est quoi, ouais, bon? Ouais, en mode ouais, bon, bah. Par l'info, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Du coup, Latin Disciple, ils habitent en face de chez les Crips. C'est bien de la drogue qu'ils vendaient, ils m'ont pas dit à qui l'acheter. Il m'a dit que c'était les grandes chez lui qui s'en occupaient, le mien c'était un petit. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Ça se vend en moyenne 300 à 320 dollars dans la rue. Voilà, il m'a pas dit plus. Mais c'est confirmé, ouais, c'est bien de la drogue. Non, mais ils ont bien parlé, vous. Ouais. C'est quoi comme drogue? Mais non, mais c'est que t'es nul, toi. Ça, je serais pas. Non, c'est pas que je fais pas peur. Je pense que ça, c'est de notre côté, hein. Faut l'envoyer à la scientifique, la drogue là. Bah, c'est moi la scientifique, voilà. Bah, tu vas bien l'analyser. Ok. Ok, ok, super. Latin Disciple. Latin Disciple, ouais. Ouais, c'est super intéressant Disciple. Parce que. Enfin, pour ça, j'en ai jamais entendu parler, même en temps, on a dit ouais. Baisse ses bras, enculé. Latin Disciple, on en a chopé 4 aujourd'hui quand même. Pourquoi je suis que la DOA? Eh ben, encore 3 là aujourd'hui. Allez, descend. Bon, on leur met une petite amende, ils nous gardent la cam. Allez, va couper. Oui, ouais. On les a tous eu aujourd'hui. Allez, va là-bas. Matango 17. Il avait de la cam lui aussi? Ah, lui, il a juste vendu, il en avait plus. Va avec la rookie. Avec quoi? Il avait ça. Oui, allô. Il avait pas de drone. Bouge pas, ouais, c'est qui? Tiens, au parleur. Très mal. Il t'entend très mal, il a dit. Vas-y, appelle-le toi. Tu vas recevoir un appel là, réponds. Super. Réponds tout. Quand tu vas apprendre à parler à la police et à respecter un petit peu, tu vas apprendre. C'est bien. Insulte, Whitney. Tu veux qu'on t'embarque? Alors la ferme. Tu veux que j'en mette combien aux 3 là? Mets-leur 2000 chacun. 2000, vas-y. Ouais, man. Ouais, allo, c'est qui? Tu m'entends, petit trou de balle? Oui, je t'entends, c'est qui? Ouais, bah c'est un mec qui t'aime pas. Ouais, bah vous êtes 1000 hein. Tu fermes ta gueule, c'est moi qui parle. Ah. Écoute, je vais t'expliquer un truc. Et me chauffe pas parce que là je suis très nerveux aujourd'hui. Oui, mais ok, mais déjà tu veux menacer, dis-moi, on va quitter. Ferme ta gueule, je t'ai dit. C'est moi qui. Tac tac. Vous allez apprendre à respecter la police, moi je vous le dis, moi. D'accord? Soit tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oui, allo? Ouais. Qui est à l'appareil? C'est un gars qui t'aime pas. Oui, mais il y en a 1000. Ok, bah écoute-moi, j'ai deux collègues à toi. Les menaces anonymes, j'en ai rien à foutre. Soit tu me dis quitter, soit tu vas te faire enculer. Et je vais. Papa, te faire enculer. Non, t'as qu'à apprendre à fermer ta gueule. Attends, parce qu'il a deux collègues à vous, il agit. C'est bon, t'es réputé. Parce que je vois que tu fais le malinois. Je viens de te dire que j'ai deux collègues à toi. Si tu tiens pas à leur vie, tant toi, man. Ok, vous avez qui comme collègue à moi, hein? Eh, j'ai deux collègues à toi. Faut que je te donne leur matricule, bouge ouais, pas. S'il te plaît. Eh, c'est quoi vos matricules à vous deux là? 114 et 127? C'est des mecs du Nord? Je m'en tape. Eh, vas-y, bute-les. Mets-leur une balle dans le crânium, j'en ai rien, genre pisse dessus. Allez, va, force. Tu t'en bats beaucoup des keufs du Nord. Oui, beaucoup. Bute-les. Le Nord. Je vais pas leur transmettre l'info. Attends, si je leur transmets l'info, sinon ils vont encore me péter des couilles. On recrache, hein. Ouais, 113 pour le Nord. Il y a deux de vos collègues là qui ont été pris en otage apparemment, hein. C'est bien, tu t'es enfoiré ou pas? Non, j'ai pas le. Il m'a dit le matricule, mais c'était genre, je crois, 127, 114, un truc comme ça.
Mais je suis pas sûr. 2. On va voir. 14, du coup, c'est la dame Nathan. 113 ? Ouais. Ah, ils t'ont frappé. C'était dans le 10 s'il te plaît, c'était où ? J'en ai aucune idée, j'ai reçu un appel pour me prévenir. C'est tout. C'est bien pris, merci. Si jamais vous voulez négocier, appelez le 7808. Comme disciple, comme disciple. Après Austin, je reste en chargé. D-I-S-C-I-P-L-E. Ciao les trous de Nord. Ciao. Ouais. Oui, c'est comme ça. Comment, avec deux S ? Avec un S à la France. Eh, on pose la question à qui ? Qu'est-ce qu'il y a, madame, nique ta mère ? C'est bon, toi. T'en as pas marre d'ouvrir ta gueule ? Non, j'en ai pas marre. Attends, toi, t'es qui, toi ? Toi, t'es qui, toi ? Moi, 06. Oh là là, attends, mais 06, toi, tu te rappelles de moi ou pas ? Non, je te connais pas. Viens, je te tire par les cheveux, viens ici. Mais quoi ? Mais quoi ? Viens ici, là, je tire fort. Viens ici, viens. Lâche ! Viens. Hier, c'était pas toi hier ? Hier ? Ouais. C'est pas hier. Pas toi qui a pris ton service, même t'as fait la belle avec moi ? Hein ? C'est pas toi ? Faire la belle, je sais pas comment elle a fait, hein. Non. Je rigole, t'es bonne, c'est bon. Merci. Ah non, c'était pas toi. Non, moi ben, j'étais pas là hier. Excuse-moi, j'aurais pas dû te tirer les cheveux. Bah super. Tu peux me venger ? Tu pourras pas. Ah oui, je pourrais pas. Ouais. Mais quand ça repoussera si tu veux, désolé. Désolé. Ok, quand ça repoussera. Je sais pas, j'ai vu une fille, c'était une nouvelle, je me suis dit ça doit être elle. Beau crâne. Oui, allô. Eh, je crois que t'as pas très bien compris. Ça a rien de me ramener les mecs du Nord, c'est avec toi que je veux discuter. Mais je t'ai dit, moi, les mecs du Nord, je bah, attends un peu alors. C'est toi, c'est avec toi que je veux discuter, personne d'autre. Vas-y, discute, mais bon, je serais pas très motivé, quoi, c'est juste ça. Il est où ton soutien pour la police, toi qui es un grand policier, hein? Un policier comme tu prétends. Non, mais je suis un grand policier du Sud, moi, monsieur. Hein. Et bah alors, même du Sud ou du Nord, ça reste la police. Écoute, pauvre con, tu vas pas m'apprendre mes valeurs, d'accord? Ça veut dire qu'au moins, le Nord, je les encule, je suis en guerre avec. T'as aucune valeur, c'est moi qui parle ici, d'accord? D'accord? Tu vas pas commencer à me péter les couilles, je t'ai dit que le Nord, j'en ai rien à foutre, mais dis-moi quand même, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Eh, écoute-moi. Que t'en as foutre ou que t'en as pas à foutre, c'est pas mes histoires. Que t'en moi, as foutre. Ce que je te demande, c'est de venir. Viens et tout se passera bien. Mais viens de quoi? Je leur pisse au cul aux agents du Nord, je viens. T'as pas besoin de ramener des agents du Nord pour me dire de venir, tu m'envoies une position, je viens. Même s'il y a pas, d'agents, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Tu t'enculé, va. Qui que tu sois, je te baisse, tu m'entends? Tu m'entends, espèce de petit sac à merde? En fait, je crois que t'es pas au courant qui va t'arriver. Mais je crois que toi t'es pas au courant à qui tu parles. Hein. Je crois que t'es pas au courant de qui tu parles. Moi je te le dis, mon vieux. Toi t'es pas au courant. Écoute-moi bien. À ta place, c'est moi le mal. Je suis le mal. C'est pas toi qui me fais peur. C'est toi qui vas avoir peur de moi. Je te le dis, mon vieux. Je te le dis, petit enculé. C'est moi qui l'a créé, pauvre enfoiré. T'as compris ou pas? T'as rien créé. Et je serai toi, je me grefferai deux yeux derrière la tête. Envoie-moi parce que cette putain de position, tu vas voir. Envoie-moi cette putain de position. Vas-y, envoie la position. T'as aucune position, t'es tellement faible que tu vas appeler tous tes non, collègues. Non, je viens. Vas-y, envoie la position, je viens, t'inquiète vas-y, pas. Mano à mano. Oui, viens. Mano à mano. Viens, il y aura pas de mano à mano, je vais venir moi tout seul et ma M4, petit fils de pute. Envoie la position, tu vas voir qui est qui, tu vas apprendre à me connaître toi. Envoie la position. Eh, regarde, tu sais quoi, t'envoies une photo de ton coucou mort, ça va plus te calmer. Vas-y, envoie-moi même ta mère, enculé. Aïe, mais c'est qui lui? Je sais pas, il a pris l'entache des agents du Nord et il m'a dit viens la position ou je les tue. Je lui ai dit mais j'en ai rien à foutre. C'est 44 10 12. Bien dit ça. Très bien, 44, vous allez pouvoir partir avec 94. Donc apparemment les Creeps, ils se faisaient voler leur quartier. Ah la Lightning Disciple, regarde, c'est ta gueule en face à gauche. Parce que vous nous avez parlé de King. Attendez. Ouais, réunion de Creeps là, les Creeps. Batorgo 17, dit le café. Qu'est-ce qui se passe? Ça va les Creeps? Ça va, vous allez bien? Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas. Putain de merde. On fait quoi ici? Laisse, hein. On peut vous servir un petit truc, les gars? Ça dit quoi les Creeps? Ah, ça allait ça bien. Tu te crois chez ton daron ou quoi toi? Non, mais j'ai compris que c'était la merde là. Qu'est-ce qui se passe, les Creeps? Comment ça? Vous êtes fait voler votre quartier ou quoi? T'es venu mettre du sel. Oui, allô? Ouais, qui est à l'appareil? Oui, c'est Brandon Clarkson, agent du Nord. Ouais. Oui, j'aimerais savoir c'est quoi le numéro, s'il vous plaît, qui vous a contacté pour. 7808, mais il veut parler qu'à moi en fait. 7808? Ouais. Bon bah du coup je vous laisse converser avec lui alors hein, si vous parlez comme vous. Vas-y, dès que j'ai des nouvelles. Merci. Je te dis. Yep.
Moi je vous apprécie les Crips, on passe souvent et tout, on vient vous voir. Ah ouais, on s'aime bien, on a toujours eu des bonnes relations, conviviales. Non, 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 non. Ah, on a eu plus de relations. L'amour n'est pas réciproque, hein. Mais je passe à Spanish. Et bah ce qui se passe à Spanish, ce qui se passe à Inglewood, et c'est nous qui gérons Inglewood à l'heure actuelle. Ce qui se passe à Spanish, pas reste à Spanish, ah ouais, c'est moi, yo. Et vous, vous avez rien à faire, vous branlez ici tout le temps. Yo, écoutez-moi bien. C'est pour être sûr que tout va bien, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait... Tout va merveilleusement. Nous, on vous aime bien, mais vous faites péter votre quartier comme ça. C'est quoi, c'est de la bœuf ici? Ça c'est pas... C'est à qui ça? Ah, c'est ton métier, t'arrives même pas à savoir ce que c'est. Du quartier, sûrement. Laisse tout traîner. Ah, les Crips. Ouais, les Crips, quand même, les Crips. Vous allez pas vous laisser faire, non? Non, mais on héberge des petits refs qui sont en manque d'habitation. On aide, quoi. Bon, j'ai personne pour les vols à l'arraché, fête foraine. Moi, je vais vous dire, les Crips. Je vais vous dire. Je vous parle sérieux, je vous parle avec le cœur, les Crips. Hein. Mais combien dans cette liasse, là? Touchant. Mais franchement, si jamais vous voulez utiliser la force pour récupérer votre quartier, sache que bah nous on n'interviendra pas, d'accord? Capitaine, sergent. La DOA, après moi j'ai pas le contrôle sur le SASP, mais bon. C'est votre quartier, je comprends. T'as dit la même chose. Pourquoi vous prenez pas les appels? Bah sur la plage avec la DO, hein. Ça nous prend en photo là. Il y avait, ouais, y a, je pense, il y a deux trois collègues qui sont venus parce qu'ils ont entendu des coups de feu, quoi. Mais à la base, il y avait que la DO. Mais bon, les collègues, ils entendent des coups de feu, ils débarquent. Viens pas dans mon dos. Pourquoi tu vas dans mon dos, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Reste pas dans mon dos, toi aussi. Devant moi. Après, sur son téléphone. Après, si tu réfléchis à. Qui me demande, les collègues? C'est Austin. Riz, t'as du boulot, je crois. Tu as un fan qui aimerait discuter avec toi, s'il te plaît. Ouais, t'es occupé, mec, je crois. N'hésite pas à quitter les lieux. Oui, je sais. Ça marche. Sache que tu étais pas le bienvenu. Je vais être cool une fois. Ouais. Prenez votre chope. Mon collègue Franklin, il est toujours recherché? Prends ton chope. Riz, on t'appelle. Je crois que t'es appelé à la radio, Riz. Ouais, je crois, Riz, on t'appelle. Faut y aller, Riz. Là, c'est affolé, tout ça. Riz, je pense que t'as une urgence, bien plus grave que là. 88, 10, 40. Attendez, laissez-moi voir un truc. Je compte juste combien j'ai de balles dans mon chargeur, j'en ai 30. Et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déduis en deux, moi je m'occupe de 2, moi là, j'en prends 2, 3. Ça va pas partir en bas de sang, Riz, quand même, il y a des familles qui habitent ici. Je pense que je vous atomise avant même que vous ayez le temps de sortir votre arme, je pense, hein. Parce que c'est bien, on discute, c'est parce que c'est bien de faire le malin avec moi, mais avec les Latin Kings qui volent votre quartier, pourquoi vous faites pas les malins, hein? Bande de petits sacs à merde. Et ça c'est leur vaisseau qui donne, mais on leur a donné, c'est nos petits là actuellement. Ah, vous leur avez donné? Putain, il chie dans la soupe dans laquelle moi, je vais te dire, fais attention, parce que la dernière fois qu'un peuple a donné un bout de son territoire à un autre, ça a mal fini, hein. Médite là-dessus, méditez là-dessus, les Crips. Ouais, j'enjambe un peu. Bonne soirée. Attention, les Crips, hein. Borto. C'est bon, 11. Okay, j'enjambe, les mecs. Ok. Tu peux me ramener au poste, Risto? Pourquoi? Parce que je vais me coucher. Non. Coucher? Arrête, 26. Si, j'ai un repas demain. Et ouais, je suis dégue, mais faut que je me lève tôt. Non, c'est parce qu'elle aime plus pas trop avec nous, Tyson, je te jure. C'est n'importe quoi, je te jure que non. Tu vas faire des cauchemars, hein. Mais non, oh là. Rêve un peu de moi, s'il te plaît. Ouais, c'est... T'as fait des rêves de moi ou pas, là, 26? Non. Mais putain, mais fais des rêves de moi! Attends, mais tiens, pas celui-là. C'est ma boule. C'est toi qui rêve de toi? Ah, je sais pas. Je regarde même pas. Prends dans la boîte à cam, 26. Prends les gars, la cam, etc. À la base, je voulais que ça chatte. Non, j'ai pas de place. C'est bon, je prends moi, t'inquiète, j'ai de la place, moi. Ouais, mais. 10, 4 du coup, Adam 15, on prend les 10, ouais, vous oubliez pas de le noter, s'il vous plaît, que je puisse les. Ça marche. Allez, ciao. Vas-y. Ciao, ma petite chat. Allez, bisous. Ciao. Adam 44, mais... Non, mais les Crips, ils sont fait niquer par les lacs. C'est des salopes. C'est trop une dinguerie. Mais attends, mais du coup, c'est où qu'ils habitent? Juste en face, vraiment, juste en face. En gros, c'est les blocs. Tais-moi, retourne dans la carte. Je laisse le dispatch à 03. Tu vois, là, on est. Bonne soirée, 26. Mais vraiment, juste en face. Bonne soirée, 26. Et. Là à gauche, là, tout ce qui est à gauche là. Ah ouais, ok. 03, je redonne le dispatch à 107. Oh, trop de balles. Bon, tu l'envoies cette position ou merde? Pour quelle raison 03? Je t'envoie pas la position, je vais t'envoyer une petite photo, ça va te faire rigoler un peu. Mais je veux pas. Mais tu m'as dit qu'on devait faire l'échange. Je sais pas quoi. Tu vas voir l'échange. D'accord, attends. N'oubliez pas d'activer vos petits appels pour la centrale. Bon.
Ah, c'est bon, à vos ordres. Trêve de toutes les unités là, s'il vous plaît, maintenez vos cartes à jour. 403. C'est quoi, c'est Pinot? Ah, j'ai toujours le téléphone de l'autre, vas-y, Adam 39. Bi. Oh putain, c'est quoi le. Oui ou pas? Citrep 15. C'est moi sur le boulevard del Pelo, code 4. Je crois que celui qu'on a fracasse au bar. Celui du barrage là. Ok, Adam 67. Bah arrête, il est là. Mais je crois que c'était un Disciple. Hein. Adam 17. Ouais, bah est-ce qu'il est là en train de se battre? Ah non, ça je sais pas. Non, je crois pas. 17. Vous prenez un Katrina 03. Adam 12. Alors on se passera vos commentaires. Ah si, Raffaello. C'est actuellement Custom Café en train de régler un problème. Enfin, je suis pas. Si, si, c'est lui. C'est lui. Adam 12. Je te jure, c'est lui. Oui. Il est bien. T'es lequel? Attends, je vais lui rendre ton téléphone. Il te rep. Non, je vais lui baiser sa petite mère. T'as rendu son téléphone avant. Hey. On va lui baiser sa Adam mère. Adam 01. Custom Café. Adam 09. Au poste. Attends, 08. Il ressemble à quoi déjà? C'était celui avec les. 18. Tu fais en face là-bas? Actuellement, les custom. 36. 88, que vous êtes 88, 36 en direction du custom. Ah oui, effectivement, il est là. Ah, ouais, il est là. Ah, merci. Attends, je vais lui rendre son téléphone. Merci, 36. Et Adam 44. Du coup, composé de 94 et 44 au niveau de Wardog en code 7. Ouais. Ça, c'est des beaux titres. Merci beaucoup et stay safe, les collègues. SASP Nord va arriver sur fréquence. Écoute. À l'écoute. À l'écoute. Du coup, c'est pour vous dire qu'ils nous ont relâché. L'agent Nathan et l'agent Aaron a été retrouvé. 10-4. 10-4. Stay safe. Oh, y'a un petit chat. Tu es au courant ça? Ouais. Vous avez dit quoi? Non, oui, qu'est-ce qu'il y a, allô? Était au courant de la ah oui, allô, vous allez bien, sergent? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, vous êtes en DO? Ouais, tu veux bien, direct d'où? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Vas-y, je vais récupérer au PDP. Merci, j'arrive. Une unité sur les 1060. On va récupérer 02. Vous voyez les 44. Moi je suis les creeps. En plus, c'est des nouveaux bâtiments, il devait être trop heureux. Ça pour se les faire péter. 5 Adam 95, on est en code 5 dessus et on fait un 10-21. Mais j'ai même pas vu la bagarre, elle a fini comment? Je sais pas. Mais imagine en plus de ça, ils se font mêler. Oh là là, non mais les creeps, c'est plus les creeps que j'ai connus. Bien pris. Ça te reste pour 02, je suis devant le PDP, parking. Qu'est-ce qu'il fait? Adam 09 code 7. Oui, 02. Ah, oui. Oui, la vérité, c'est moi, 02, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la vérité. Oui, mais t'es raciste ou quoi? Tu fais quoi là? Non, j'ai fait quoi? T'as fait un accent là, t'as fait un accent. Non, mais j'ai pas fait d'accent. Si, t'as fait un accent. Mais c'est vous avez fait un accent, vous avez dit la vérité. Non. Bah, mais en plus tu le refais. Attends, mais t'es malade. Elle a refait là, je suis pas fou. Mais non, mais... C'est Kyle, actuellement non. Le 10-50 sur votre... Passe à la raquette tout à l'heure, j'ai vu les blots. Bien pris. En le 10-38, pardon. La raquette balasse. Ouais. Alors s'ils sont toujours là, je crois que j'ai croisé Billy tout à l'heure devant le poste. Little Sioux. Bien pris. Il m'a dit... Il m'a envoyé une photo. Il m'a dit voilà, quand on prend pas au sérieux, je lui ai dit tu les as tués. Il m'a dit le prochain c'est toi. A 0319 qui c'est qui celui-là? Bah je sais pas c'est qui. 10-4. Oh les Bloods! One. Allo? Ouais, allo? Ah ouais, merde. Ouais, désolé. On repasse. Désolé de quoi? Allo? Allo? Il répond plus. Ça va les Bloods? Ouais, ça va et toi, tranquille. Hein. Ouais, ça va, ça dit quoi? Non, tu connais, on est là, chill. Hein. Quartier, la zone tranquille, ça tient les. Pépère quoi, pépère! Ouais, entre autres, hein. Pff, tu connais, ça cherche du boulot, on essaie de se réinsérer un peu dans la société. Wesh, il a un bon micro lui pour un Bloods. Bah, ouais, franchement, j'ai même plus de critères, hein. Juste ça recrute, hein. Charge du taf, juste. Ah, je cherche du taf, je paye les factures là, ça va plus.
Peut-être que tous les deux là, ils sont où Non, on était en bas là, tu connais, on cherchait 2-3 tafs, je sais même pas où ils sont les collègues, je te mens pas. Ça m'étonne qu'il ait un bon. Parce que tout à l'heure j'avais croisé. Bon, ça pourrait un blond, c'est bien parce que le groupe de Tac Tac ils ont tous des mauvais micros. Ouais, voilà. Il est où Billy? Il est où Billy? Bah, il arrive là normalement. C'est un bon Billy. J'étais à Graille. Il est gentil Billy. J'étais à boire et à manger. Bah, bien sûr, il est gentil. Vous en pensez quoi, vous les blondes? C'est quoi ça? Hein? On s'arrête, c'est bien. C'est bon, on est bien, monsieur. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Demande évidence. Eh mon grand, avec le sac là, reviens là, dépêche-toi. Ça c'est le Nord ça, ça c'est le Nord ça. Eh faites quoi dans notre juridiction le Nord? Il a fait des bêtises ou quoi Billy? Je mets rien en évidence, pour quelle raison? C'est quoi ta raison? C'est quoi ta raison? T'as libéré Billy! Eh bien, si toi aussi! Ah non, mais eux ils étaient là, ils ont rien fait, ils étaient là, je suis avec eux tout à l'heure. J'ai rien fait, Mais moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Non, attends, lui il était pas là, viens là par ici, Venez, allez derrière. Attendez, c'est quoi ta raison? Arrêtez de parler, mais ferme ta gueule! Au lieu de crier, pour rien, au lieu de faire les départs. Je crois que c'est Tac Tac et RTI. Ah, peut-être pas en fait. Eh, par contre, le Nord, vous êtes dans notre juridiction là! Oui, on a prévenu, on a prévenu sur radio. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous leur faites ça à eux hein? J'aimerais bien savoir. Suspicion de prise d'otage, Suspicion, vous débarquez pas comme ça avec M4 et tout pour des suspicions. Ils ont fait des refus d'obtempérer. Oui, refus d'obtempérer 15 fois. Bah, elle fait peur, j'ai cru qu'il y avait des gangsters. Mais on voulait juste faire un contrôle, mais ils ont pas voulu donc voilà. C'est un quartier tranquille ici, ils sont gentils les blouses. Rectification, on a fait le contrôle, ils sont descendus. Monsieur est descendu et les trois sont repartis en voiture, d'accord? Donc ne prenez pas pour des cons, vous allez nous suivre, vous allez répondre à nos questions et nous péter plus les couilles. C'est compris ou pas? Non. Pas compris? Bah, très bien, tu vas venir mon champion. Ouais, je vais venir, de toute façon je suis menotté. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé menotté, monsieur? On peut savoir un peu sur le mais tu connais, c'est le contrôle abusif ça. Je crois que c'est contrôle abusif. Mais il est où RTI? Je sais que le Nord, ils aiment bien le contrôle au faciès, mais ouais, le Nord c'est des racistes, en général. Quelle raison tu contrôles au faciès? Parce que vous êtes des blackos, c'est ça que je dis, c'est pas vrai. C'est parce que vous êtes des bandits les gars, d'accord? On n'est pas des bandits. C'est pas des bandits les blues, c'est pas des bandits. Ils sont gentils les blues, ils sont gentils comme tout. Chapeau, ouais, hop, tu viens avec moi toi, ta gueule. Ils sont gentils comme tout les blues. Laissez mon cousin. Il y a le deuxième qui arrive, qui était juste là. Laissez mon cousin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va lui poser des questions et on verra. C'est quelqu'un de sage. Je vous jure, c'est quelqu'un de sage. Allez, vraiment finir par le contrôle. C'est quelqu'un qui est droit, je vous jure que c'est un bon samaritain. Il a dit. Bon samaritain, mon cul, ouais. Il s'est passé quoi là? Ils ont pris en otage qui eux? Ils ont pris en otage potentiellement, je sais pas, des agents. On a eu le call radio pour nous dire ça. On leur a juste dit de se mettre sur le côté et ils ont commencé à. L'agent, c'est quoi ce bordel? Attendez, moi je suis plus diplomate. Ouais, lui il est diplomate, lui. Mais ils sont gentils comme tout, les Bloods. C'est pas des méchants. Ils cherchent du travail et tout. Il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit chercher du travail et tout. Regardez, j'ai le bracelet électronique à la suite. Moi, je suis calme maintenant. Oh, Kyle, viens t'en occuper parce que moi, j'ai pas la patience, mon champion. Non, moi, je l'ai la patience, tranquille, viens. Pour quelle raison? Viens t'en occuper, champion. Il se passe quoi, bordel de merde, putain? Tu parles les gens? Eh, écoute, excuse-moi, champion. Tu as fait du droit, c'est quoi? Tu vas nous apprendre la loi, c'est toi et qui. Et alors? Bah ouais, j'ai fait du droit, j'ai le droit d'aller à l'école. Vous êtes des fous, quoi? T'as fait du droit? Tu sors d'Harvard, c'est ça? Alors arrêtez de râler, vous allez juste passer la. Et toi, t'as le droit de contrôler au passé? Arrêtez de crier, s'il vous plaît, tous, arrêtez de crier. Mon pote, tu sors d'Harvard, tu connais les lois par cœur, très bien. On va aller dans le poste, on va discuter et on va voir ce qui se passe, d'accord? Bah allons-y. Commence à sortir toutes les lois que tu veux, d'accord? Je t'appelle mon avocat, c'est un avocat. Appelle même chez toi ta mère, je m'en fous, tu viens. Eh bah ramène la tienne, je vais mettre bien le respect, le respect. On va rester calme, s'il vous plaît. Regardez ce qu'on va faire, ça ensemble. Je vais vous palper, d'accord? Allez, je vais de me toucher les couilles. Calmez-vous, vous avez baissé un ton tout de suite. Il a rien fait, Billy, il est gentil, Billy, il est gentil comme tout. C'est un petit ange, Billy, c'est un petit ange. Ça changera rien, venez avec moi. Mais attendez, je suis sûr que vous cachez derrière son cul, ça vous fera pas éviter à présent. Eh, je veux juste avoir la raison de Ils t'expliqueront au poste. Pourquoi vous m'expliquez? J'ai pas besoin de m'expliquer, moi, laissez-moi tranquille. Allez, bon, on va rester électronique, comme j'y suis, ça fait 48 heures. Allez. Putain, le Nord, c'est le Nord, hein. Véhicules qui
sont recherchés. Bah, je vais y aller, écoutez. Ma merde, c'est du jamais vu, c'est quoi ces keufs. Messieurs, juste arrêtez de vous aller au poste, d'accord, on va tous se calmer. Mais quel au poste déjà, tu. Vous aurez mis un petit café. Pourquoi t'es fou, toi, avec ta tête de je vois pas de taxer au poste, je suis pas une pouca, je voudrais te faire enculer. Allez, messieurs, calmez du calme. Vous appréhendez deux fois avant de faire la bêtise la prochaine. Ouais, quand même. Attends, c'est vrai qu'il est tête de crotte de nez, c'est vrai. Ouais, moi, je suis la DO. Parle avec tes chiens, parle avec tes petits, s'il te plaît. Mais non, mais eux, c'est le SASP Nord, c'est pas le Sud. La SASP Nord, c'est quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Mais t'es même pas dans le Nord. J'étais même pas dans le Nord déjà, tu viens, tu me casses les couilles, qu'est-ce que tu veux? Je viens du Sud, pourquoi tu me parles? J'ai pas compris. Monsieur, je vous mettre encore une fois contre le véhicule, s'il vous plaît. Ça y est, monsieur l'agent, retournez traire des vaches, putain, on n'est pas des fermiers ici, bordel de merde. On est des fermiers ici, on va avoir tes vaches dans le monde. Allez, pas le plus fort, il aime bien, touche-lui. Y'a rien, y'a aucune raison. Touche-lui bien le cul, là, mets-lui un dent dans le cul, il aime bien, Midi. Voilà, je vous touche bien les parties. Voilà. Mets-lui bien, mets-lui. T'as bien le cul, t'as bien le trou de balle. T'as bien le trou de balle. Ça va te passer. Un peu pauvre, venez si on est par ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me suivre. Vous allez venir vers moi, s'il vous plaît. Il a aucune raison de m'embarquer, il m'embarque. Il pue dans ta voiture. Tu la fermes ta gueule. Allez, tu montes là. Il pue le véhicule. Et j'y monte là. Posez votre couteau, merci. Circulez. Voilà, maintenant, on va monter. On va y aller. Nickel. Mais là, maintenant, c'est quoi la raison du coup? T'es afro, man. T'es un mec des blues. Ouais, c'est juste parce que je suis un black. Vous verrez ça au poste encore une fois. Eh, bah ton poste, je vais le brûler. Si tu t'occupes mal de mes man. Ils sont dans des poulaillers, ils viennent nous casser les couilles. Ah, ils s'ennuient, ils s'ennuient. Les traires des vaches, prendre deux traits. La première fois qu'ils vont en Renoir. Allez, allez, le nord, là. Allez, le nord, s'il vous plaît. Quittez notre zone, vous allez récupérer les individus. Maintenant, repartez dans le nord, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait dans leur zone? Le poulailler, je ne sais pas quoi. Retournez dans le poulailler, c'est qui a parlé? Petite question, elles sont où les coups? Yo, nique ta mère la pute, Austin, nique ta mère la pute, yo! C'est parti, les gens, que des enfants. Connard, tiens, je te rends encore. Et ta grand-mère, je la baise, Austin, ouais, je la baise, yo! Fais ta bague, je t'encule, Austin! Tape-moi, ton regard! T'as eu tes trouvailles, vas-y, viens maintenant! Allez, viens, mon champion! Viens avec nous, ok? Serre-moi fort, là, serre-moi fort! Oui, serre-moi fort! Allez, viens, mon champion! On dans le véhicule, on dans le véhicule. Eh les gars, filmez. On dans le véhicule. C'est la première fois qu'il voit un Renault, regarde. Regardez, la première fois qu'il voit un Renault, regarde ce qu'il fait. Ne pensez pas les gars que c'est votre zone d'endroit ici. Il y a pas de zone d'endroit. Avec un truc comme voilà, Austin. Voilà, ça c'est mon lieutenant. Nique ta mère, Austin. Yo, nique ta mère, Austin. On récupère quelqu'un ou pas nous là? Vous voulez qu'on récupère quelqu'un? C'est des bâtards, on est plus que deux. C'est bon, tout est bon, tout est clean. Vous pouvez récupérer le. Okay, il a son procès. Dans... Il est demain son procès, il se paraît. Allez, ciao, 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 ciao. Ciao. Putain, vous avez vraiment pas eu de chance. Ah, mais qu'est-ce que. 15. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas dur, mais vous leur avez tiré dessus là ou j'ai rêvé là? Vous leur avez tiré dessus ou j'ai rêvé là? Vas-y, fais un test de pompe. Attendez, vous avez tiré sur le nord? Vas-y, fais-toi. Alors là, il faut demi-tour. Il faut demi-tour. Ils sont mis dans une ruelle. Ils se bien au-dessus. Non, t'as faim. Meilleure celle-là. Non, mais ça, c'est la. Et celle-là, c'est. Bon, viens, on se casse, nous. Pourquoi t'as coupé la vidéo? Allez, dommage. Bonne soirée, messieurs, bonne soirée. Je savais pas, moi, je savais pas d'aller tirer sur quelqu'un. Oh, je crois qu'il revient de pleine balle. Vous avez arrêté tous les copains. On sait pas de quelle direction, hein, quel tir, hein. Bah dommage, ça a pas visé votre tête. Moi je suis pas une balance, j'ai passé qui. Du coup j'ai été touché, il va falloir que j'aille à l'hôpital après. Touché. Fallait viser les couilles, toucher une femme enceinte. Il était caché, le tireur, il était caché. Ouais, il est derrière une maison. J'ai eu le temps de le voir. T'as été touché? La personne a été touchée en effet. Aïe. Allez à l'hôpital et les individus. Mais faites attention, le sud c'est pas le nord, hein, les collègues. Bon, je repars à Joe In. Paradjoel, c'est gentil, merci Riz, bonne soirée à toi, t'es un chou. Ah, c'est pas drôle là quand même. Non, c'est pas drôle, 02, t'as raison, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Bah là, faut, ouais. Tango 18, code 7. Non, c'est honteux, c'est honteux. Ah bah oui, franchement.
Ils sont bien ces Bloods, non? Ouais, ils sont cool. Vous rigolez? Non, je pleure. Oh. Ah merde. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le timing, parfait. Bon, je leur ai dit, je m'en bats les couilles. Hein. C'est leur guerre, c'est pas ma guerre. Ouais, allô, son. Madame 15 passe en Tango 15 composé de 15, 14 et 31. Ça y est, t'as la pêche? Bien pris. Ouais, gros site, ouais. Ouais, vous voulez quoi, les poyos, là? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, à ton avis? Oh putain, Berigi! Mais qu'est-ce que tu fais là, Berigi? Oh putain, tu vois, y a des visages que je suis pas heureux de revoir. T'es pas un pointé, toi? Je suis pas un pointé. T'as quitté les pointés? J'ai quitté le gang qui vole des boules oranges. Et t'es devenu un Crips? Je suis pas un Crips non plus. Regarde, c'est écrit derrière là, tu le vois ou pas en jaune là? Comme tout Chirac. T'es un comme tout Chirac? Non, je suis un. En jaune. Sur le côté là. Latin Disciple. D'accord, et vous habitez là? Ça va bien? Si, bah écoute. Salut mon commandant, ça va? On a dit que c'était soit le quartier, soit il mourait donc. Attends, il y en a qui perdent leur couille. Vous leur avez volé leur quartier? Attends, vous leur avez volé leur quartier? C'est des salopes. Non, c'est trop dingue. Ils ont rien dit? Ils ont rien dit là, justement là, on revenait. Attends, écarte-toi un petit peu 02. Oh là là. Aïe. Comme ta gueule, prends ta tomate. Oh, ça s'envoie. Rentre dans la voiture. 02 dans la voiture. Venez de ce côté. Reviens là, toi. Ferme ta gueule, Snoop Dogg là. Casse-toi, Snoop Dogg. T'as du caca dans les cheveux. Reviens. Mais attends, mais Franklin, toi, petit fils de pute. Arrête-toi, Franklin. Si je te baisse pas ta mère, Franklin. Mais ici. Tu crois que je t'ai oublié? Attends, mais la mère, je l'avais oublié. Je te jure, je l'avais oublié. Tu m'arrêtes jamais, je suis en moto. Arrête, Uzi! Viens ici, Franklin! Arrête-toi! Oui, Uzi! Range cette clé à molette! Approche-toi de moi et tu vas voir! Tu vas faire quoi? Range la clé à molette! C'est bon, y'a d'autres Schmitt, c'est bon! Oui! Il va rien faire! Mets-toi à genoux! Moi j'ai déjà été en prison pour ce que je t'ai fait. T'as déjà été en prison pour ce que tu m'as fait? Oui. Ah bon, ça c'est vrai ça? Vérifie le dossier s'il te plaît. 02. Ouais, bah non, justement, y'a pas de dossier donc ils m'ont relâché. Comment ça y'a pas de dossier donc ils m'ont relâché? Mais c'est vrai que oui, à la radio ils ont dit qu'il est plus recherché. Non, c'est vrai. C'est quoi ton code? 000? Évidemment que c'est 000 ton code. Logique. Toi tu traînes avec les Crips, Franklin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin là, Riz. La gueule. Ouais, les Crips, c'est... Vas-y, descends ma bécane. Quoi? T'es sûr? Vas-y, pas bouger. Regarde, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut, le Choukel? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, allô? Ouais, c'est moi, Franklin. Bah, qu'est-ce que tu veux, Franklin? Écoute-moi bien, petit commandant de merde. Oh, c'est moi. Mais ça va pas, Franklin, vous avez pété un câble. Écoute, j'ai tiré sur Riz, et je vais le refaire encore, et toi t'es le prochain, d'accord, commandant? Oh, c'est moi, voiture, un caillou. Faut se faire soigner, là, Franklin, ça va pas. Hein. Je te fais des menaces de mort, commandant, un caillou. Franklin, là. Il y a du pipi dans ma tête, Franklin, t'es où? Je te dirai pas, je suis en train de braquer une dame, et je vais lui voler toutes ses affaires, Ok, je vais t'embrasser, j'arrive. C'est quoi ça? Ah, ça brasse électronique, ça. Aïe. M'en fous, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi sur mon téléphone. Allez, ça. Allez, ciao. Ciao, Franklin. Vite, n'achève. Oh, il est là. Hop, venez ici. On a trouvé Franklin ici, là. Il a pris mon téléphone, mon commandant. T'as dit quoi? C'est il a pris mon téléphone et il a dit ça. C'est vrai ça? Je suis sûr que non, commandant. Vous êtes sérieux ou quoi? Je sais même pas de quoi il parle. Pommette, tu peux demander aux autres.
Ah bah 11. Ah, non, y'a pas 11. 02, pardon. Non, mais elle était pas là, elle était pas là. Demande à Tyson, demande à Tyson. Ah. Tyson, y'a là. Oui. Merde, je me suis cramé tout seul. Je sais pas moi pourquoi, on était au quartier des Crips. On a entendu un bruit de bracelet en fait. On a entendu un bruit de bracelet, du coup on est venu. Oui, c'est moi. C'est moi, il m'a appelé, il m'a menacé. Non. Il m'a dit non. C'est moi qui ai tiré sur Riz. Bah du coup on arrive entre temps quoi. Il m'a dit ça. Mais non, c'est un monteur. Nous on a entendu un bruit de bracelet, on a vu Franklin ouais. Et du coup je me suis arrêté et vous êtes arrivé. J'ai dit bon vas-y c'est bon c'est Franklin, je fais demi-tour et vous êtes arrivé. Ok. Mais il vous a dit quoi, il vous a dit quoi au téléphone? T'es bien cher d'être connu. Il m'a dit que t'avais tiré dessus. Oh putain, il est tout connu. Il est tout connu. Bon, vous mettez une entrave, d'accord? Non mais attends, mais la fois où il m'a tiré dessus, moi on s'en bat les couilles. Je crois que c'était réglé moi. C'est réglé de quoi? Tout à l'heure on m'a arrêté pour ça et ils m'ont laissé partir. Oui. Parce que c'était déjà réglé 02? Bah j'ai entendu radio que comme quoi il est plus recherché. Tiens la haine. Attendez, j'appelle 18 si je lui demande. Mais non, mon argent, mon commandant. Quel argent? J'ai pas pris d'argent. Non, commence même pas, commence pas. J'ai pas pris d'argent. Commence même pas, Franklin, je te le dis. Hein. Mais... Je lui mets une amende pourquoi? Pour entrave, c'est combien l'amende pour entrave, mon commandant? Tu lui as pris combien, Riz? Je lui ai pris zéro. Il m'a pris au moins 5000 dollars. Oui, d'accord, oui. Non, allez, moi. Bon, Franklin, vraiment, tu vas arrêter de mentir là, parce que là, tu deviens un mythomane. Mais non, mais je m'en Et en plus, en plus ici, le commandant et moi, je te jure, on sait très bien que je fais semblant d'être con. Je te jure qu'on sait très bien. Commandant, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, oui. Oui, on sait. Si. On est très connus pour toi, mais désolé. Oui, mais non, mais redonne mon fric. M'appelle plus par contre, la prochaine fois, c'est en cellule. Faut arrêter tes bêtises, Franklin. Je te jure, on sait que t'es con. Redonne. Allez, ciao, Franklin. On est désolé de vous avoir fait perdre du temps, mon commandant. Mon commandant, il m'a pris ma carte bleue. Oui, s'il te plaît, Franklin, arrête. Adam 88, c'est code 4 sur le 1038, les custom, code 7. Tu vas aller chier sur la tombe de ta femme. Non. Je viens de voir, Riz. Il a pas roulé dessus. Non, c'est lui, il s'est jeté sous mes pneus. 31, actuellement, code 7 au niveau du Il s'est jeté... Non. Commandant. Descends, je te roule dessus. Oh là là. Aïe. Oh. C'est trop le meilleur commandant du monde, sérieux. Aïe. Allo 18, dis-moi, par rapport à Franklin, c'est réglé du coup? Ah, je sais pas. On l'a interpellé, je savais qu'il était interpellé. J'ai fait 28 calls radio, personne m'a répondu qui s'occupait de la procédure. Il est reparti. Hein. Ah ok, du coup voilà. vous l'avez pas demandé ou quoi que ce soit? Bah j'ai rien, j'ai pas de DA, pas de demande, je sais pas pourquoi moi j'ai juste... C'était parce qu'il avait tiré sur Riz de ce que... Oui c'est ça. Donc commandant. Donc voilà. Il veut pas te parler. Il a envie, il est pas mort donc non, voilà. Ok pas de soucis. Ouais il est en Lincoln tout seul. Et bah je lui laisse mettre sa carte à jour alors. Je suis au poste là, j'ai besoin de... Riz venez au poste s'il vous plaît. J'arrive dans une seconde. 9 mon lapin. Je vais vous mettre en 10-6 sur le dispatch en mettant au poste. Oui, merci. Merci. C'était le quartier à ta mère ou canton? STX bleu, je me dis vous êtes bleu, hein, ça bosse avec les bleus ici. Hein. Ah, va te faire baiser. En collab. Hein. Putain, c'est bien. Hop. Bon, en tout cas, je tiens à vous dire que. Pourquoi on peut pas se prendre notre quartier ici? Qu'est-ce qui s'était passé sur la plage à ça? J'ai entendu parler aussi du fait que les PB... Ouais, elle est là, Team Disciple, c'est bon, je suis là, ouais. Et lui d'ailleurs, il va falloir que vous le protégiez, sinon il va pas faire mon feu. Va bouffer la chatte à ta mère, la cible. Je vous jure que j'ai pas Teps. Mais je vous jure que j'ai pas Teps. Lui, je vais le mettre, je vais l'accrocher avec son slip. Bon alors, Paige. Pas les couilles. Et ton plaisir. Y'a Franklin, ferme ta gueule. La Tango 73, vous ferez attention, en face de vous, les personnes habillées en bleu, il y a deux armes, enfin il y a deux personnes qui possèdent des armes. Pas les spectateurs. Ils sont en rond. Tu parles beaucoup, mais t'as les couilles. Ils disent que c'est un enfant. C'est nous qui lui avons demandé de pas bouger. Le 15 ans, on va s'occuper du civil à l'accueil. Je t'enverrai par SMS la... Vas-y.
que ce que je voulais dire avant, parce que j'ai pas forcément envie qu'ils entendent, c'est plutôt à côté. En tout cas, on a rien à foutre, hein. C'est que si tu mets le pied sur le trottoir, t'es mort. Et ça, et je pense que toi, tu le feras pas, mais les mecs derrière toi, c'est surtout ça, les petits cons là. Vous mettez le pied sur notre trottoir, vous êtes mort. On va te faire enculer, on te baise, c'est bon ou pas? Tu vas pas faire de merde. Eh, vas-y. D'enculer, ouais. Va aller chez l'anus, ça sert. Tu vas menacer personne. Non, y'a pas de preuves. Vas-y, viens, viens, viens en face. Vas-y, viens. Vas-y, venez. Vas-y, viens, viens. Vas-y, viens. Aïe, ça. T'es enfoiré. Enfoiré. Ah, fils de pute. C'est une pute. T'es un bâtard, aïe. Alors toi, Calbos là. C'est quoi, c'est un point américain et tout? Eh, je vais prendre une voiture, je vais vous écraser là, vite ma mère. Ta gueule. Attends, je cherche la caisse. Vas-y, Franco. De 18, il me faudrait 2. Non, c'est une petite bagarre en bonnet du fort, 18, on s'en fout. Je vais faire. La masse du seigneur. J'ai des gangsters qui se battent, qui s'entretuent. La masse. Dame 09, code 7. Chante ton bâtard. La masse. C'était pétasse, va. Oh putain. La race à t'es mort. La race à t'es mort. Ta gueule. Oh, il retourne. Alors fils de pute. Alors fils de pute. Je te nique ta mère. Aïe! Est-ce que c'est pas. Est-ce qu'il y a pas un. Ça, c'est vraiment une soirée contemplative entre les gangs qui sont. Qui se niquent entre eux. Charlie qui est en prison. Je passe trop une bonne soirée. La marche du seigneur. Jamais tout seul. Sans tes armes, petit con. J'encule ta mère, putain. Ta mère, elle a pas le code, ouais. Et Franklin, reste bien de ton côté, Pouto. Bah viens. Viens là, petit con. Non, c'est prêt. Je t'apprends de rester. Le respect ou quoi? Le respect. Vous qui avez bien observé, c'est qui a gagné la bagarre? Non, je t'en supplie. On est bien rigolé, allez, on circule là, allez, dégagez. Allez, on se cache, on circule. Pourquoi ça leur fait pas de. Allez, circulez, je vous gasse là, circulez, bande de fils de pute, circulez. Allez, on se casse. Allez, circulez les clips là, ils vous ont bien baisé, ça suffit maintenant. Allez, on dégage. Qu'est-ce que tu crois que tu. Allez, rentrez chez vous là, rentrez. Allez, on rentre à la maison là. Et pourquoi ça vous fait rien quand je vous gasse, bordel? Sa mère se gasse. Ah, j'ai pas de prix. Tu veux qu'on tire dessus ou quoi? Aïe! J'ai pas de munitions. Casse-toi là! Franklin là! Oui, aussi. Regarde, descends là, vas-y. Circulez, bande d'enfants, enculé là, circulez. Allez, Franklin! Allez, monte! Allez, on circule, bande de petits fils de pute. Allez, cassez-vous là. Allez, on rentre chez soi, où je fais appel à la force. Bande de petits enculés. Croyez en... Prenez chez les fous ou quoi? Venez sur le toit. Et attends, la meuf qui m'a plaqué, la Crips, je t'ai pas oublié, petite pétasse, tu vas voir. Oui, c'est ça. C'est ok? Ouais, c'est bon. Ah oui? On s'en va la housse là. Oui, j'avais pas de munitions, mais pour moi c'était poivre. On housse d'ici là, ça dégage. Ah, si c'est pas poivre, c'est quoi? Ça dégage les gars. Allez, trou de balle là. Elle est Crips là, je l'ai attaché par le slip en plein là. Attends, tu vois le poteau en haut. Il a vraiment. Vas-y, 22, laisse-moi 31.
Bien pris, commandant. Surtout parce que vous voulez, vous êtes le commandant, n'oubliez pas. Maintenez vos cartes à jour, les autres, là. Bien pris. Adam 88, 1038 sur une Akuchu noire occupée de faux. Bon, viens, on va au labo de LSD. Allez. Les motards, on les connaît. Du coup, il y a de la cocaïne qui circule. Oui, de la cocaïne bleue. Vous êtes au courant? Ben, je pense que les Mayans, ils ont dû remettre en place le laboratoire, si tu veux mon avis, 02. Très bien. Ça, c'est un avis, oui. Sérieusement. Je gère. Bon, t'as oublié que j'étais meilleur pilote que toi. D'accord. Est-ce que t'étais dans la liste des meilleurs pilotes? Ah non, mais je comprends pas pourquoi. Ouais, moi non plus. Je comprends pas pourquoi j'y étais pas. Non, mais je suspecte que les awards ont été. Comment on appelle ça déjà? Truqué par le Nord. Le lobbyisme du Nord, poteau. Là, je pense que ça a été truqué par le Nord. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que souvent, t'as vu, il y avait un agent du Nord contre trois agents du Sud. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas faux ça. Du coup, ben genre nous on splittait nos votes alors que eux, ben ils votaient tous. Ah ouais, c'est logique en fait. Je l'avais pas vu comme ça. Tango 15, reprise des codes 7. Ça marche. 4. Mais par contre, la Baudouille, vraiment, je vois jamais personne moi. En plus, ça fait un petit moment que j'ai pas vu de la Baudouille circuler là. Même l'héros, hein, tu sais que l'héros, il y a un monde où le labo a été. Il y a un nouveau labo qui a été mis sur patte parce qu'on a retrouvé de l'héros aussi. Hein. Non, mais l'héros 1% là, c'est l'héros de l'époque. Hein. Ah, ils avaient combien de. Qui s'amuse à tirer dans le poste? Bah, je sais pas. C'est moi. Vous pouvez cesser s'il vous plaît. Hey, comment tu parles au commandant? Le commandant il fait ce qu'il veut. S'il veut tirer dans le poste, j'en ai rien à foutre dans l'interrogatoire, d'accord? Si le commandant il veut tirer dans le poste, si le commandant il va allumer ta grand-mère dans le poste, il le fait, d'accord? S'il vous plaît là, t'enculé, va. Comment tu parles au commandant quand tu vas voir. Redis au commandant quoi faire. Non, mais commandant, moi j'aime pas quand tu vous parles comme ça. Si vous continuez à parler en radio, me dis pas quoi faire, moi j'écoute que le commandant, moi. Allez, stop. Ouais, ça marche mon commandant, à vos ordres. Contrôle pour 01. Labo de LSD. Apparemment depuis l'antenne rebelle à droite là, on a un visu sur le labo. Je sais pas si c'est vrai. Ah en vrai c'est possible. Faudrait guetter. C'est 26 qui m'a dit ça. En vrai, ce serait pas étonnant. C'est vrai que ça serait pas étonnant, mais je pense qu'il faut monter sur le toit du truc rebelle. Ah non, il y a un. Ouais, c'est pas mal. Non. 15, je t'attends devant. Attends, je pense qu'il faut que je la mette de profil. Sur la caméra. Oh! On est dans une chaîne together ou? Masterclass. Non! Oh. Une fois tu hintes, toujours tu hintes. On l'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, mon commandant, stay safe. Tu le vois toi? On n'a pas un visu sur la porte d'entrée, on a un visu sur tout l'avant. Ouais, un visu global quoi. Putain. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueu comme pose. Super. Réalité, un site rêve s'il vous plaît. En planque. En planque sur le labo. Par contre, c'est pas Tango 107, c'est Tango 113. La réponse, j'ai fait au mieux. Oui, t'avais appelé. Oui, ben c'est important. En plus, les Mayans, c'est. Quand même, les Mayans doivent faire une descente chez eux, on va la faire dimanche. Non, c'est lundi, ils ont dit. Ils ont dit lundi? Ouais. C'est à cause du match. Ils étaient pas là ce soir, les Mayans. Ça y est, t'as réussi à refaire? Ouais, enfin, j'ai. Ouais, attends, depuis tout à l'heure, t'arrivais pas à monter? Ouais, elle arrivait pas à monter. Ouais, j'arrivais pas, non. Alors, comment ta mère? Elle va bien. Comment et la vôtre? Comment elle s'appelle déjà? À chaque fois, j'oublie. Ah! Non, ça sera jamais.
Ça a l'air d'être calme, y'a pas de mouvement. J'aurais bien aimé parler aux Mayans, voir s'ils ont mis le labo, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait de la coque qui ressorte. Bah surtout de si le truc violet là c'est de la coque. Faut voir. De toute façon faut que ça passe à la scientifique ça. Mais pour moi il y a un monde où c'est un dérivé de coque. Au pire je la sniffe, je te dis hein. Arrête d'être con. Tango 15-19 sur le dernier braquage de conteneur 3 km/s. Okay. C'est pas un truc pur ça, c'est un truc qui est coupé à je sais pas quoi. Adam 88, c'est un code 4 sur le 1038 de La Couche au niveau de Wake Avenue, code 7. 36, code 3. Je te jure, il y a trop de trucs qu'il faut qu'on fasse. En fait, on se contente de ce qu'on a. Et on guette ce qu'on a, mais il y a trop de trucs, je pense, qu'on passe à côté. Genre quoi? Bah potentiellement la boue de coque, la récolte de graines de coque aussi, qui me casse les couilles. Tu veux qu'on aille refaire un tour à Wardog? Wardog, il y avait quoi Wardog? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as dit, il y avait l'activité à Wardog, et même te rappelle, on avait trouvé des trucs. Ouais. Ouais, c'est presque. Attends, mais 02, elle est sur le toit. Vas-y, t'inquiète, je la récupère dans la voiture. Parce que en fait, je sais pas si tu te rends compte d'à quel point on a rien sur des vendeurs d'armes. Bonne nuit. C'est pas avec ça. Tu vois qui vend des armes, comment ils les ont. Genre il y avait le bail de la tablette, mais depuis la tablette, personne n'a calcul. On dirait ça y est, ils ont toujours autant d'armes, tu vois. Attends, il y a 02. Ouais, 02. Mais non, t'inquiète pas, t'es dans la voiture, t'es sur la banquette, qu'est-ce que tu me racontes? Comment elle s'appelle celle-là déjà? Daya. Daya. Déjà, tu t'appelles comment? Daya. Daya. Izidaya. Bah, Izidaya, mais bien sûr, je l'ai pas oublié. Voilà. Voilà. Oui. Ah. Mais non, mais déjà, tu montes pas dans la voiture. Ah non, non, Izidaya. Quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je vous jure, c'est. Hein, essayez de sortir. Vous êtes actuellement en 10-12. C'est moi dans la voiture? Oh putain. Ok. Ah, bien. Ah bah du coup oui, maintenant oui. Confirmation de. Il est bien. 23. T'as pas d'infos? T'as pas des trucs, des lieux bizarres toi Dada où tu vois des allers-retours? Non. Franchement non, pas pour moi. Des rookies. Ok. Tiens, bah du coup la Tango 18, j'aimerais bien que vous cassiez, vous donniez un rookie. Connaissez la cocaïne calibre 90? Oui, justement, on en a eu tout à l'heure là. Vous en avez eu tout à l'heure, ok. Pourtant, c'est de la coque? Parce qu'on savait pas si c'était de la cocaïne. Ouais, je pense que c'est de la coque. Hein. C'est de la cocaïne qui vient du nord. Ah, du nord? Qui vient du nord. Ouais. Vas-y, dis-moi en plus. Bah, c'est tout. C'est toutes les infos que j'ai. C'est quoi? C'est qui viendrait du nord? C'est Isaiah. Il a chopé quelqu'un, il a interrogé, il lui a dit que c'est du nord. Ah, mais il peut mentir, non? C'est vrai. C'est vrai, mais en soi, ouais. C'est Spénor, c'est Spécieux. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? C'est juste pour vous signaler, je viens de recevoir un appel de la part de Nayeli Dugwizel. Elle n'a pas de nouvelles de son employé Selena Ricci depuis lundi. Elle était censée revenir de congé. Aucune nouvelle et son frère également n'a aucune nouvelle. Donc Selena Ricci qui est portée disparue depuis lundi. Bien pris. Super. 95, que... retour au code 7. Imprime. Si jamais j'étais un grand méchant, où est-ce que je le foutrais mon petit laboratoire? Pour faire mes petites armes. Ok, là tu pars vraiment dans la recherche labo d'armes. Ben je sais pas si c'est. Je sais même pas si c'est des labos en fait, ça le problème. Attends, là t'as vu, ça aurait été incroyable ou pas? Moi personnellement j'aurais dit port si je devrais cacher des trucs. Ouais, mais en fait, on a. En gros, regarde pourquoi je pense ici. Adam 88. Parce que. Ah, vous avez des trucs? Ouais, en fait, on a vu plein de. Il y a eu beaucoup de mouvements, tu vois, qu'on saurait pas identifier. On est autour de Wardogs. Mais t'as vu, au pire, il y a du mouvement, tu vois, il y a des rendez-vous, il y a deux groupes, tu vois. Mm-hmm. Mais là, en l'occurrence, je vois, il y avait genre. C'était un par un, des petits. Des allers-retours. Ouais, ouais. Des petits allers-retours par-ci, par-là, tu vois. Adam 11, on procède à la 1038 d'une sentinelle SG4 P
tapé 3 fois sur Mirror Drive. Et on est resté pendant une soirée entière à Wardog, il y avait rien. Donc moi je pense que ça ah serait... Ah bah oui, c'est vrai, j'étais là. Ah bah oui, t'étais là. Et il y avait même les personnes avec la chaîne BMF là. Exactement, tu garé dans voilà, tu commences à me suivre 02. Ah oui, mais Wardog c'est hyper Adam, bon. Adam 18, enfin Tango 18, excusez-moi, devient Adam 18. Ah, y'a de l'espace. C'est pour ça, à partir de maintenant... Tu te rappelles, ici, il y avait des gens qui guettaient, on pensait qu'ils guettaient pour nous, mais ils en avaient rien à foutre de nous. Je te rappelle ou pas, t'as dit moi qui était avec moi. Ah oui, mais ça date de fou, ça, non? Ça date de fou, ils étaient posés ici, là. Ils étaient posés ici, je m'en souviens, ouais, ici, là, à la porte à droite, ouais. On pensait qu'ils nous guettaient, nous. Ouais, mais ça date de fou, ça, c'était il y a au moins un mois. Mais non, je te jure, c'était pas il y a un mois et demi, c'était il y a deux semaines. Ah ouais? Ah, je te jure. Non, c'était pas il y a un mois. C'est la dame 44 qui effectue un 10-38 au niveau d'une cardine sportive. T-18. Vous avez pris du Xanax 03, vous venez de dire? Non. 10 grammes en perfusion. Vous savez? Ok. J'espère que vous êtes heureux. La 11, Godfrey. Qu'est-ce que tu cacherais ici? Contactez-moi TPH, s'il vous plaît. Après. Du coup, 01, 10-12, CDP. Effectivement, on part choc. Le préfabriqué, là. Je vous laisse patienter, il doit être au téléphone avec 17, du coup. Ça se rentre, ça, là-dedans? J'ai reçu. Oh. Ok. Il n'y a pas de... Par contre, c'est la dernière que je fais, après on arrête. Après on arrête d'abuser. Viens me prendre le côté spatch, s'il vous plaît. Bah, je suis là, je suis actif, non? Oui, mais si vous êtes occupé, il me faut un côté spatch, quand même. Je suis occupé. J'ai le bypass, c'est vrai. Je suis là, je parle, je demande des systèmes. Oh non, je suis deg, frère de... Oh maintenant je sais que les portes elles s'ouvrent là-dedans. 18. Oh c'est trop chiant. Je vais reprendre le dispatch, de toute façon je dis 10. Non je sais pas. Franchement je sais pas. Un dispatcher parce que vous êtes dispatcher. Oh. Bah toi 4, Non impossible, sur le tour. Je regarde. Je peux dire qu'il y avait une porte verrouillée. Je regarde l'effectif. Parce qu'en vrai c'est une info de fou là. Avec à gauche moi je sens qu'il y a des trucs mais avant. Juste avant Frigid. Et Adam 88 code 7. 95 ouais. 18. Parce que, ouais, je sais pas. Vas-y, dis ce que t'as sur le cœur, dis, qui dit. Bah, après, ça remonte, mais je peut-être que ça reste pas mal à voir, mais je parlais avec Lorraine à un moment donné. Tiens, je sais plus quoi faire. Il m'avait emmené exactement. Ah, et même si jamais j'avais pas ouvert. Comme s'il voulait voir un truc, comme s'il voulait. Je vois que la porte elle peut s'ouvrir, quoi, tu vois. Pour discuter, parce qu'en soi, si tu discutes avec une personne, bah, je sais pas, soit tu roules, ou soit tu l'emmènes, je sais pas, mais pas dans une ruelle comme ça. Donc, je sais pas. Vous pouvez me rappeler les agents. Et cette zone. Et qui en 10-12 actuellement? À surveiller. C'est quoi 10-12? Alors. C'est attends le dispatch. Ok, on est pas en 10-12. 06, est-ce que Adam 11 est sur la radio? Active. Est-ce que vous pouvez passer récupérer 6 s'il vous plaît? Active. Adam 88. Adam 22, je vais. Adam 88 1038 sur une mogule RS blanche à l'intérieur du Rockford Plaza, occupé une fois, pas besoin de 1035. Ok, si jamais c'est monsieur. Non, mais c'est pas le Halkick le problème. Non, parce que je sais qu'à cause du ban de monsieur Sall, les gens ils sont en mode ouais, t'as pas le droit de faire des Halkick. T'as le droit de faire des Halkick, t'as pas le droit de passer comme ça et de faire ça. Vous voyez? Genre, tu vois, il y a une porte pour l'ouvrir, il faut Halkick. C'est possible, vérifier, c'est une dinguerie. Je vous vois arriver, je vous vois déjà arriver. Hein. Vous allez vous mettre avec 06 vu que vous êtes officien. C'est pour ça, genre là tu commences à faire ça et tout, ouais, là, oui, là c'est bizarre. Parfait, bien sûr. Non, mais le bypass là où ça me baisse, c'est que la porte elle s'est ouverte. Quoi qu'il arrive, je vois qu'il y a une poignée qui s'ouvre, tu vois, c'est pas bloqué derrière. Enfin bref, bon. Je sais pas, c'est chiant. Je me mettrai en plouc là-dessus, j'attendrai de voir un truc. Parce que, en vrai, juste j'aurais pas eu le bypass, j'aurais bien coup de bélier, je pense. En mode ripou, mais je l'aurais fait. Après.
après ça fait chier qu'il y ait 0-2 quoi. 0-2, je peux pas trop faire le free pool devant 0-2. Ensuite, d'une moto au niveau du Rockford Plaza, occupée une fois, pas besoin de 10-35. 10-4. T'es une balance 0-2 ou pas toi? Bah ça dépend, si vous faites un gros truc, oui je vais... Alors admettons, je fous des coups de bélier dans des portes pour faire avancer un petit peu nos enquêtes. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien déontologiquement parlant, mais... Ouais, je pense pas qu'il y ait balance ça, qu'il y ait 0-2. Si ça emmène à une enquête ou après par la suite on en parlera, oui bien sûr ça... Enfin... Tu vois, c'est pour le bien quoi, c'est pour le bien. Ouais, c'est pour le bien. Après faut pas non plus... Bah casser toutes les portes non plus. Non mais il y en a deux que j'ai envie de casser. Il y en a deux que j'ai envie de casser là. 15 pour 14, je te fais une bague. Ah au pire, vous voulez pas demander avec le commandant? Enfin, voir avec le commandant? Ok. Je peux casser les gueules. Là où il y avait les guetteurs là. Ah putain, il est pas là. Parce que je pense qu'il acceptera si... Il est toujours en 10-6 le commandant? 7-4 sur le 10-38. Commandant, vous êtes radio? Madame 11, opposée à la 10-38, une taguetteur bleue occupée deux fois sur Pink Avenue. 113 pour commandant, vous me recevez? Aïe, aïe. Aïe. Il est parti. Il me semble qu'il est off radio 113. Rappelle-le. Ah, mais il est sur messagerie directe, c'est pour ça que je m'inquiète. Peut-être qu'il y a 10-10. Il l'aurait dit, non? Bon, ok, on le fait, on a qu'une vie, one life. On verra où ça nous mène. Adam 01, 1041. Ok, parce qu'en gros, ils étaient postés ici. Donc, soit ils guettaient pour là, mais c'est con quand tu te mets au bon endroit pour guetter, on est d'accord? Oui, tu te mets pas sur la porte exacte. Oui. Allez, surveille qu'il y a rien. Et Adam 88, c'est code 4 sur le 1038, code 7. 10-4. Y'a rien. Ok, et deuxième du coup, c'était le préfabriqué que tu m'as dit. Après, ça se trouve, grosse clim, y'a rien. Ah, mais le préfabriqué, y'avait un cadenas? Tu peux faire sauter le cadenas? Ouais, y'a une porte. Et ça, c'est pénard, on est dans ça le C'est ça qui m'interloque. Ah bon? Oui. T'as vu? Ah, moi, les préfabriqués comme ça, y'a rien dedans en général. Ah oui. Il me semble que c'était pour 14. De mémoire sur la radio, c'est quand même. Ok, bon, petite clim. Tu te fous de ma gueule? Attends, mais c'est trop stylé. Wow. On dirait une Batka. C'est quoi ça? On dirait une... Attends, je reste devant, ok. Mais attends. C'est un truc d'un groupe, ça? C'est un mapping... Alors, je crois que c'est un mapping secret d'un groupe. Attends, on dirait un bunker de Epsilon. Attends, mais c'est le truc de Bruce Wood, je crois, les mecs. Je vois pas qui c'est qui pourrait avoir ça par Bruce Wood. Tout se passe bien? Rafi? Ouais, tout... Descendez! C'est quoi cette dinguerie? Viens voir. Viens, on bouge, non? Là, viens voir. Mais c'est quoi toutes ces armes là? 95, 19. En plus, pour une fois, c'est pas moi. Je fais quoi? Je prends en photo? Je vous jure que. Le mérite ne revient pas à moi, frère. C'est quoi? Tyson, il m'a dit le chiffre fabriqué. Et elle, elle m'a dit l'échelle. J'ai même pas vu qu'il y avait d'échelle. On prend photo, okay, on fait quoi? Attends, je pense que... En fait, étant donné qu'on l'a fait un petit peu illégalement, on va juste prendre en compte et surveiller. Ouais, je pense que le mieux c'est de surveiller là, faut pas... Wow. Et venez, on bouge de là parce qu'il y a personne qui... Je remonte. Wow. Non, moi aussi je suis sûr de là, moi je sors.
Vas-y. Puis là, t'as des trucs, des douilles, machin et tout pour. Ah non. Ah, c'est bien ça, on a les prix. Oui, 10-10, bonne soirée. Bonne soirée, Mike. On a les prix au moins. Ouais. En plus, il y a la voiture qui est devant, putain. Regarde ça, là, ouais. Mais attends, mais ça veut dire que les petits conteneurs comme ça. Mais attends, mais je vais remettre en question tous les petits conteneurs comme ça maintenant. Ah, par contre, ici pour guetter, il y a trop de trucs hein, pour guetter. Hein. A 01, on se rend sur même le pont là, c'est partout. Bien joué 02 Tyson. Bien joué à vous hein, c'est vous, vous savez. Ah, bien joué à vous hein. Bonne soirée 44. Bah non, parce que toi t'as vu le préfabriqué et toi 02 t'as vu l'échelle, moi j'avais même pas vu qu'il y avait une échelle. Là dis-toi j'aurais pu faire demi-tour. Vous avez pas vu l'échelle? Je te jure j'avais pas vu l'échelle 02. Dire là j'aurais dit oh trop marrant une table. Ok, mais attends. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Non, mais j'ai envie de. Regarde là, regarde, il y en a encore un préfabriqué. Attends, mais putain. C'est ça? Là à gauche, là, il y en a partout. Parce que là, ah, maintenant, il y a un truc que je me demande, c'est est-ce que. Il y en a je un. Je pense qu'il faut pas être gourmand. Vraiment. Vous pensez pas? Parce que déjà, pour les labos, vous avez été gourmand, parce que j'étais pas des wars, vous avez été gourmand. Et on vous avait tout démantelé. Et même vous m'avez dit que vous êtes précipité. Après c'est vous qui voyez hein, c'est vous. Ils étaient garés là. Je pense. Putain, c'est vrai que tu m'en avais parlé de ça aussi. Je suis en train de faire le truc là, directement. Merci. Oui, après t'as pas tort 02, t'as pas tort. Oui, mais j'aimerais bien juste savoir s'il y en a un pour tous ou si c'est tous pour un. Disponible, capitaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Affirmatif, disponible. Juste ça. Je pense que c'est tous pour un. Récupérer du coup le collègue en 10-12 au poste. Je fais Zarma. Je vais Dizzy dans 5-10 minutes maximum. Ah, y'a rien derrière. Je vais Dizzy, pardon. 03, vous êtes disponible? Ouah, sa grand-mère. Il a 10-10. Et ceci? Ok. Bah écoute, je vais un grand chercher. Pouvoir implique de grandes responsabilités. Ah bah putain. RS sur le vol de véhicule. Je cache. Bien oui. Non parce que je suis un peu stun. Tango 15, fin des 10, 56, perte de visuel du véhicule au niveau du cinéma. Bah même moi, je suis sur le cul un peu. Non. Bah oui, toutes les armes qu'il y avait. Il y avait quoi dans les coffres? Sentinelle LG4 bleu. Des munitions ou des armes, c'était que des glocks hein. Bah pour la patrouille qui va me chercher, je c'était principalement moi, je crois que ça avait l'air d'être qu'il y avait. Non mais après on va quand même faire une enquête hein. C'est pas en mode on va le démanteler, ça y est, on l'a trouvé. Hein. Ok. En fait, c'est bien parce qu'on va pouvoir planquer dessus et tout, tu vois. Mais alors, attends. Viens, on se laisse. Genre, on va dire qu'on avait 3 chances. Là, j'en ai niqué une, ok. Qu'il nous en reste 2. Et si on trouve pas, on abandonne. Pour. Des portes. Ouais. Genre, parce que moi, du coup, il y avait celle-là, tu te rappelles, ou tu m'as dit il y avait plein de. Il y a eu beaucoup d'allers-retours au niveau de Cypress, ouais. Tu vois. Est-ce qu'on claque notre joker sur celle-là? C'est de voir si elle se fait sauter, je sais pas, c'est comme tu veux. 02, t'en penses quoi? Moi, personnellement, je pense pas sur celle-là. Ok. Parce qu'en gros, regarde la question que je me pose, j'ai besoin de savoir. C'est est-ce que. Genre, il y a en disant 4 groupes, ils ont chacun un labo d'armes. Ouais. Avec des glocks. Est-ce que. Genre, il y a sur les 4 groupes, il y en a 3 qui ont des glocks et un qui a les armes automatiques et tout. Est-ce qu'il y en a un qui a les fusils à pompe, un qui a les automatiques, est-ce que machin, ou est-ce que ils ont. J'ai tout regroupé. Par exemple, il y a un labo de Glock et un labo de trucs plus lourds, tu vois, et ils se le partagent tous et ils se battent dessus. Ok. Tu vois, là c'est les questions qui fusent dans mon cranium là. Lui.
claquer un joker là-dedans. Ah, lui, pour moi, a trop cramé. Le passage et tout, enfin, faut voir. C'est toi la chef. Bah non, Titi, vas-y. En vrai, c'est vrai que la position ici est pas incroyable. Ok, je le tente. Ok, plus qu'un joker. J'aurais dû vous écouter. Putain, mais il y en a tellement en fait. Ça a pu être ouf. En face, il y en a pas mal aussi. Dans les docks, la dernière fois, vous m'avez dit qu'il y avait une voiture qui était garée. Vous savez pas, elle faisait quoi. Mais la vie de ma mère, t'as raison. 15 pour Olunet, on a une bijouterie en préparation avec deux jackals blanches. Je sais plus où c'est exactement. Non, je me rappelle. Bien pris. Ah, 01, on va sur la bijouterie. C'était. Attends, c'est à droite. Non, c'est et du coup, 15 en répare et 19 bijouteries. Oh, mais je vois que ça partout maintenant, regarde, il y en a encore en face. Il y en a partout des préférés. Oh là là. 10-4, 12, vous me prenez. Vous non, me c'était prenez pas là. Hein. Et 15, non, c'était pas là. C'était. La négoce, d'accord. En face, je crois, à droite, non. Les deux. Je me rappelle plus. Oui, si, c'était en face à droite. Tu me les supervises uniquement, s'il te plaît. Non. 19, s'il te plaît, 18. Oh putain, je sais plus. Si, je crois que c'était là, non faire réparer, j'arrive aussi vite que je. On m'avait dit qu'il y avait un véhicule qui était garé là à droite, derrière vous. Non, c'était. Non, c'était. Ah, okay. Attends, mais wesh. Je veux dire, mais merde. Si, c'était là, c'était à droite. Si je vois l'endroit. Mais putain, mais ça. C'était plus côté aéroport. Oui, allô. Tu croyais quoi? Tu croyais mort. Oui, mais je sais, j'ai pas dit le contraire. T'as vu? T'es mort. Mais il. Là, t'as réveillé mes démons. Et pourquoi j'ai fait quoi moi encore? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Au niveau de la place d'équipe, plus ou moins. Tu sais quoi? Si t'es un vrai homme, viens tête à tête à la Maze Bank Arena au parking. Mais attends, monsieur, qui... déjà, premièrement, vous m'avez toujours pas dit qui vous étiez. C'est-à-dire que dans ma tête, ah ouais, vous êtes une énorme salope. On t'a pas dit qui t'étais, mais hein. Mais quoi? Tu sais, il va t'arriver. T'as fait du mal à mes potes. Ils sont en prison à cause de toi, je vais te buter, man. Des 10-38, s'il vous plaît, au niveau de la bijouterie. Bon, grosse force, monsieur, attendez, là, je suis sur une enquête. Est-ce qu'on peut changer de radio ou pas? Va te faire foutre, toi et ton enquête, rentre là, toi. Mais attends, mais pourquoi on est con, Tyson? Tyson, c'était où, bordel de merde? Je sais pas, moi, j'étais pas là, ça me dit rien. Pour moi, c'était. Pensez à le préciser sur votre dispatch, s'il vous plaît. Voilà. T'as mis un arrêt ou pas? T'as ressemblé à quoi? Ou là, plutôt, en fait, non, plutôt là. Précisez-le sur votre dispatch, j'arrive. 10-4. C'était. Un grand parking, enfin, pas un parking, mais. Je crois que c'est va là-bas. C'est pas à gauche là? Bah je crois, si, tout à gauche vers les trucs, je crois que c'est par là-bas. Vous m'avez dit ouais. Non, c'était pas à gauche. Non? Mais attends, mais je suis à l'envers ou quoi là? C'était au port. Oui, c'était au port. Bah si c'est pas là, c'était encore tout droit, oui, au fond. Ah non, je suis devenu con, ça. Ah mais c'est où? Bah du coup, vous avez raison, c'était au tout début, c'était vers Meriwether, là-bas. Près de... du post-opé. Oui. Oui, c'est là-bas. C'est bon, je m'en rappelle. Oui, tous les jours, c'est bon. Mais oui. Je te laisse le dispatch. Attends. Sur cette fréquence, je passe
passe non. Radio 2 et je reviens après. Si. En face, là-bas, non? Non, mais non. Non. Mais non. Votre véhicule est réparé, il vous attend Radio 2 sur la bichette. Non. Non. Non, 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 non. Non, mais c'est horrible. Mais putain, mais j'aimerais tellement savoir à quoi vous pensez. T'étais là, je crois que t'étais en plus dans le véhicule. Je te jure, j'étais pas là. C'est là. Mais c'est là. Ah, c'était là. Mais oui, c'était là. Voilà, c'était là. Il y a oui, c'était ici. À gauche, m'a dit. Oh, depuis tout à l'heure, oui, c'était ici, c'était ici, c'était ici, c'était ici. C'était ici. Et du coup, bah, regardez où ici. Ouais, il y avait des véhicules ici. Ouais, qui étaient garés là où je me suis garé là. Ok. Mais c'était pas bah, des véhicules, face, c'était. Un après... C'était le véhicule de. C'était le véhicule de d'un mec des Woods là. Il nous reste une chance. Lui ou lui? Je sais pas. Ouais, peut-être qu'on a eu de la chance sur le premier, le deuxième c'est peut-être pas un préféré. Ouais, je pense aussi hein. Ok, bah viens on teste les deux alors. T'accordes un joker, allez. C'est bon, c'est le même endroit. Ok, déjà c'est pas ici. On fait notre transpect. Vas-y, t'inquiète, je vais à pied. Alors là, la poignée. Non? Non, je crois que c'est fermé. Ok, bon, mais on se pète. Bah alors, on a eu de la chance bon, sur c'est pas grave. En vrai, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Oui, oui, faut pas être gourmand. Ouais, ouais. Non, ouais. Franchement, c'est incroyable. Putain, mais ça me met trop la bave. Tu vois ou pas la bave? Tu vois ou pas la bave? Les papilles qui frétillent. Mais par contre, franchement, pour nous, c'est incroyable la position de l'autre parce qu'on a vraiment trop d'endroits pour le guetter. Hein. Oui, mais comme eux. Ouais, comme eux. Ça veut dire que là, ça se trouve, il y avait des gens qui nous regardaient là pendant qu'on est venus. Hein. Ouais, mais je préfère avoir un endroit avec plein de positions à guetter qu'un endroit qu'avec une seule. Deux Buffalo bleus ainsi qu'une Impaler noire. Ishkat, tu les as perdus à quel niveau? Faudrait voir s'il y a des caméras là-bas, juste on sait jamais si ils auraient une galère. Bah, je les ai pas trouvés. Mais je pense pas. Et après. Ouais, c'est pas bête. Hein. Non, mais s'il y a une caméra et qu'il y a tous les allers-retours, par contre, peut-être je vais pleurer de rire. On regarde? Bah, vas-y, oui. Ah, mais si, il y a le poste à côté. Attends. Même là, il y avait une caméra déjà. Ouais, mais la caméra elle est loin. Oh là là, tu la vois celle-là ou pas? Ah oui. Non, attends. Ok, il y en a deux. Il y en a eu un aujourd'hui, 1h07, ça doit être nous, ça, je pense. C'est nous, hein. Ok, la première, c'est nous. Oh, un peu plus tôt, merde, putain. Attends. Ouais, même la deuxième c'est nous. Hein. La deuxième c'est nous aussi? Ça c'est ma M4 mais c'est pas... Pourquoi la deuxième c'est nous? Ah ouais. Pas dire qu'on okay. A pas de visuel ou quoi. Ah franchement c'est une dinguerie. C'est bizarre qu'il y ait aucun enregistrement non? Si? Non? Si peut-être en vrai je peux... Aïe pardon. Peut-être ouais, qu'il y a non, un oui. Délai où ça se... Je sais pas les... Enfin je sais pas. Les propriétaires ils suppriment le reste. Je sais pas. En plus il y a vraiment des caméras à tous les angles. Il y en a partout. Ok. Reste calme, Reese. Tu sais, c'est quoi mon plus grand rêve? Que ce soit les BMF dessus.
tu vois ou pas? Sur les BMF et que je leur atomise leur petite mère, les putes là, à eux là. On va acheter à Grey. Va falloir se mettre en planque dessus. C'est là-bas le restaurant, c'est à la plage à Madrid, d'accord? Ouais, au Coy. À gauche, ouais. Ah non, l'autre, oui. Attends, quel autre? Bah en fait, il y a un autre restaurant aussi qui a ouvert, parce que le Coy, il est pas ouvert. Hein. Le Coy, il est pas ouvert? Il y a quoi qui est ouvert? Vas-y, dis-moi, il y a quoi qui est ouvert, toi qui es experte. Bah, il y a rien. Il y a rien qui est ouvert? Par contre, bien sûr, du Bahamas. Au Bahamas, pas manger au Bahamas? Non, c'est que des cocktails, etc. Aïe, putain, merde alors. Et par contre, au PDP, il y a beaucoup de boissons et beaucoup de menus. Hein. Ouais, à la café. Ah oui, oui. Vas-y. J'ai vu sur TikTok déjà? Putain de merde. Mais là, tu vois, je suis en train de réfléchir. Je me dis, ok, c'est bien, on a trouvé ça. Toi tu me parlais des BMF parce que toi t'as... Mais franchement, tu m'aurais jamais parlé des BMF, je m'aurais posé la question de qui peut fabriquer des armes. Ben les BMF faisaient de l'héro, ils faisaient de l'héro, mais en fait tu vois je me dis quoi? Je me dis frérot, ta seule source d'argent, c'est l'héroïne. Est-ce que à l'instant où le labo d'héroïne il est cramé par la DOA, est-ce que tu le crames si jamais c'est ta seule source d'argent? Bah c'est vraiment de tirer une grosse balle dans le cul. Tu vois? Donc est-ce qu'ils ont pas une deuxième source d'argent qui est les armes? Et que c'est pour ça ils se sont dit En vrai, j'ai rien d'autre en fait, c'est le truc. Parce que les Mayans, eux par contre, tu vois, les Mayans, ils avaient l'air que. On dirait que c'était la source. Les Mayans! Petite. Ouais, j'ai capté, ouais. J'ai trop de bave là, j'ai. C'est une bonne réflexion. Peut-être que les BMF, tout simplement, ils ont beaucoup d'argent et. Vous avez besoin de renfort? C'est qui a parlé? Mon commandant, sur la bijouterie, tout en train de se bien se passer. Quel étage? Vous voulez passer, c'est en radio 2. Ah, je vais passer, ouais. Là, le seul petit hic pour l'instant, c'est qu'il demande 15 menus pour un otage. J'arrive. Allô? Oui, mon commandant, comment vous allez? Oui, vous, Riskronos. Ça va super. Prends-moi à manger, s'il te plaît, 02. Okay. Commandant, est-ce que vous aimez bien l'expression « un mal pour un bien » oui, tout dépend le sens, oui. Ben, admettons que, genre, j'ai fait quelque chose de mal. Il y a pas l'eau par là, là? Ok. Non. Admettons que j'ai fait quelque chose de mal, mais ouais. Dans le but de faire du bien. Mais regarde devant toi. Alors, t'as pas. Ah bah je vous regarde vois. Regarde devant toi. Je vous vois, voilà. Je vous vois. Ah, venez. Ok. Oh, my commandant. Bonsoir. Bonsoir commandant. Comment allez-vous? Bah oui, ça va, écoutez. Ok, pour vous. Du coup je vous disais, admettons que j'ai fait quelque chose de mal, mais que ça soit pour du bien. Oui. Ben Ok, on va prendre un exemple. Imaginez que voilà, c'est pas bien, mais j'enfonce une porte. Mais le fait que j'ai enfoncé cette porte nous fasse découvrir quelque chose d'incroyable. Vous seriez comment? Commandant? Ah, du coup? Après, vous avez pas répondu. Hein. Tout dépend ce que tu trouves derrière. Quelque chose de très, 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 très bien. Ah oui, là, vous pouvez imaginer le meilleur que vous pouvez. Très, imaginer, très bien, très, très bien. Mm-hmm. Parce que le souci. C'est que. Ouvrir des portes, c'est bien de le faire. Enfin, je m'en fous, vous voyez, ouvrir des portes, voilà, ça m'est déjà arrivé. C'est comme ça qu'on vous a retrouvé, Riz. Ouais, c'est vrai, mon commandant, c'est vrai. Mais derrière, si ça donne des enquêtes ou quoi, eh ben, c'est un vice de procédure, Riz. Oui. Et donc cette information est caduque. Ouais, mais elle est caduque si jamais je fais un dossier sur comment j'ai rendu la formation officielle. Admettons que le fait d'avoir ta formation nous permette juste de planquer à cet endroit bien précis, voilà. Et que à force de cette planque, eh ben, on voit des allers-retours et que ça nous permette de faire avancer l'enquête. Moi, je vois plutôt des choses comme ça, mon commandant. Oui, mais de base, qu'est-ce qui t'a amené à l'endroit en question? À la porte en question? Je vous fais tout depuis le début. Vas-y.
En fait, il y avait souvent des gens devant le PDP Michandro. Messa. D'accord. Messa, pardon. Et à chaque fois, je me disais. Messa, c'est lequel déjà celui-là? Juste à côté. De la PA. HPA, ah, okay. Ouais, pas trop. Ok, j'ai. Ouais. Allez, je baille. Et à chaque fois, je me disais, mais ces gens-là, ils veulent me PO. Parce Le que je suis trop une attache noire. Vous voyez? Et à chaque fois, ces gens-là, ils m'ont jamais PO. Attends, tu dis devant la Messa? Oui, devant la Messa. Devant la Messa. Oh, vous les avez vus aussi? Ben, j'ai déjà vu des Mayans là-bas. Ça dépend. Alors ça dépend où c'est, parce que la dernière fois il juste en face. Autour de Zinzin. Juste en face, vraiment pile en face. Hein. Bah okay. Pile en face. Ouais. Pile en face. Ouais. Et du coup? Et du coup, ben je me dis quoi? Je me dis voilà, je vais enfoncer une porte pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans les parages. Mm-hmm. Et qu'en enfonçant cette porte, commandant, imaginez que je trouve un laboratoire où on peut fabriquer des armes. Qu'on trouve, parce que c'est pas moi tout seul, vraiment, là, c'est vraiment 02 et Tyson qui ont... C'est plus toi, hein, Raisin. Non. C'est pas vrai. Oh si, c'est vrai, commandant. Je me suis dit ça aussi. Ah, oui. Oh, bon. Pas tu peux pas trouver la boîte cacahuète. Non, c'est... Non. Mais je vous le dis, moi, j'en ai marre de vous, j'en ai marre. On fabrique des... Ah ouais, c'est pas des pétards en plastique, là. Glock, Beretta, pistolet MK2, munitions de pistolet. Oh là là. Ah ouais, des armes partout accrochées sur les murs, des AK-47 accrochées. Donc après oui. Avoir éradiqué la DOA, moi, non mais c'est j'en peux plus moi. Non en vrai, pour être sérieux, le problème c'est que un simple agent fait ça, je vous le dis messieurs dames, c'est une sorte... On est d'accord. Ça je tiens vraiment à le dire. Okay. C'est pour ça que j'assume pleinement la responsabilité, parce qu'en fait le truc c'est que Tyson est... En fait regardez, Tyson... il a dit ouais, le préfabriqué ici, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais on en sort jamais rien, il fallait qu'on planque tout ça. Et c'est moi qui ai pris la responsabilité d'ouvrir. Parce que je me suis dit, c'est un préfabriqué, au pire, c'est à la mairie quoi, que j'aurais des problèmes, vous voyez. C'était pas une propriété privée. Oui, je t'ai pas dit, oui, je c'est pas une maison. Oui, voilà. Oui, c'est pas une maison. Et je suis rentré dedans. C'est quoi, c'est dans le gros bâtiment? Vous savez, les petits préfabriqués là? Je vois pas du tout. Blanc mais... de chantier. On vous montrera au pire. Ouais, on vous montrera au pire, commandant. Et du coup, à l'intérieur, il y a tout ça. Quoi. Mais non, à l'intérieur, en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, en gros, moi, je suis rentré dedans. 02, elle est rentrée, elle m'a dit non, hé, hop, 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 c'est illégal, t'as pas le droit de faire ça et tout. Et il y avait un petit trou, elle est tombée dans le trou. Donc moi, je suis descendu pour aller la sauver. T'es tombé dans le trou. Ouais, je suis tombé. Non, mais vraiment, c'est réel, hein. Je vous jure, c'est la vraie histoire, mon commandant. Mais non, mais je vous crois. Et donc, du coup, elle est tombée dans le trou. Moi, j'ai sauté pour la sauver parce que je me suis dit, oh là, ça se trouve, ça mène aux égouts, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut arriver, quoi. Oui, en mode tortue ninja, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Et, okay. Et là, on rentre, on voit plein d'armes, quoi. On voit plein d'armes. Oh, c'est pas vrai. Il y a une caméra vraiment juste à l'entrée. Ouais, juste à l'entrée, il y a une caméra. Et vous avez regardé les caméras? Ouais, il y avait rien avec nous. Oh putain, fais chier. Non, parce que la dernière fois, j'ai vu des Mayans se tourner autour. Et ils étaient sur un parking derrière le bâtiment. Et je vais vous dire, la dernière fois que j'ai vu des gens tourner autour, c'était pas des Mayans, ça. Ah ouais, c'était quoi? Bah, c'était des gens normal. D'accord. Bah, ça m'embête un peu parce que. En fait, j'ai pas que les agents fassent comme vous non plus. Sinon, on va se retrouver avec des emmerdes pas possibles. Après, vous savez ce qu'on dit, mon commandant. On dit quoi? Un RIS au SASP, c'est bien. Deux RIS, c'est trop. Vous voyez? Donc, moi, je respecte le un RIS, quoi. On est un RIS. Il y a un RIS. Bon, pour celui-là, vous allez faire la surveillance dans tous les cas. Oui. Ah oui, il est pas question de le fermer ou quoi, c'est vraiment juste surveiller quoi. Faut transmettre l'information de la crime, parce que ça fait partie de la crime du coup. Ok, mais qu'est-ce que vous en dites que je transmette l'information à la crime à partir du moment où... parce que ça se trouve, c'est juste un mec qui fait de la collection, vous savez, fabriquer des armes, ça veut tout rien dire là, juste il y avait des pièces d'armes, mais c'est tout. Ça se trouve, c'est pas utilisé, il y a encore beaucoup de choses à élucider, vous voyez ce que je veux dire? Bah faites de la surveillance. On fait de la surveillance et dès qu'on a l'information officielle, eh ben on le transmet à la crime. Oui, ok. Voilà. Allez, contre, bah venez, vous montre. À titre pas non, public, non, vous montre pas. Mais à titre privé, tous les trois, vous prenez un blâme, d'accord? Entre vous et moi. Oui. Ah, est-ce qu'on est d'accord? Je veux plus pour ça. Ok. Bah, désolé, bon commandant. Coup de bélier. Oui, allô. Allô. En cas d'urgence. Oui. Calmez un peu. Non, je suis pas calmé, ta petite mère la pute, qu'est-ce qu'il y a? Et nique ta mère, écoute-moi.
C'est quoi ça? J'ai un petit truc à te dire. C'est un mec qui a kidnappé les mecs du Nord tout à l'heure. Ouais, quoi? Eh, écoute-moi. T'as vu, t'as tiré tout à l'heure. Non, j'ai pas tiré. T'as pas tiré? Non, j'ai pas tiré. Commandant, c'est pas vrai, j'ai pas tiré. Non, j'ai pas tiré. Mais écoute-moi, ferme ta gueule, écoute-moi. Ok. Tu vois, là, j'étais en train de barouder un peu. Ouais. Et y a tes petits collègues du Nord, là, ils sont en train de ramasser des mais balles. Mais j'en ai rien à foutre de mes collègues du Nord, bordel. C'est comme que tu vas arrêter de me parler de mes collègues du Nord. Mais ferme ta gueule, écoute. C'est comme si je te disais, ouais, j'ai des crips en otage. Tu vas me dire, écoute-moi, oui, mais. Écoute-moi. C'est pour ton bien. Écoute, je veux quand même finir. Je t'écoute à la fin. Si jamais tu me dis ouais j'ai des crips en otage, si moi je te dis j'ai des crips en otage, tu vas me dire ouais mais je prends un crips. Je vais te dire oui mais vous êtes tous des gangsters, solidarité gangsters. Bon tu écoutes maintenant, t'as fini de brailler. Oui j'ai fini de brailler, oui. Là je t'ai dit qu'il y a tes enfoirés du Nord, là ils sont en train de ramasser les balles. Ça veut dire que tu vas être impliqué dedans, tu vois ce que je veux dire, t'as tiré. Donc si tu veux, je peux récupérer les balles. Mais par contre... Bah c'est trop tard, tu m'as dit ils sont en train de récupérer. Eh non, parce qu'ils sont lui. C'est des trous de cul, ils cherchent à côté. Mais je peux les guider vers où c'est. Comme je peux ramasser des balles et me fermer ma gueule. Guide les mal, j'arrive. Tu me passes combien? Je vais te passer bien, je vais te régaler, je vais faire de toi un roi. Comment ça? Allez, vas-y. Mais attends, mais c'est mon personnage, commandant, c'est mon personnage Ripou. Non, arrête avec ça. Mais c'est juste un personnage, commandant, c'est je fais croire aux gens, oui, je fais semblant. T'as tiré sur qui? J'ai tiré sur personne, justement je veux savoir sur qui il a tiré pour que je puisse constituer un dossier d'opération et l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a mon commandant, pourquoi vous regardez comme ça? C'est mon personnage de Ripou, commandant, c'est mon personnage de Ripou. Eh, ton personnage, je vais le wipe dans pas longtemps, franchement. Ouais, barrez-vous, j'ai pu vous voir. Et prenez soin de ma petite 02, d'accord? Oui, elle est très gentille. Et quand on fait des bêtises, Tyson et moi, elle tourne les regards et tout. Elle est pas impliquée dans nos bêtises. Elle est pas du tout impliquée dans les personnages. Je veux pas être ripou, oui. Il a tiré en l'air. Oui, déjà le MS, ça suffisait. Pas la peine le SASP maintenant. J'étais pas ripou. Il a tiré en l'air quand même. T'inquiète pas, ma petite 02, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. Bon, super 02. On y retourne. Allez, on y retourne, c'est parti. Tu as donné quoi là? Rien, j'ai pris de la bouffe. Allez, on y va, 02. Je vous surveille, sachez-le, ouais. J'ai un œil sur vous. Aïe! Aïe! Non, aïe! J'ai un œil sur vous. Allez, on y va. N'inquiétez pas. Bisous, commandant. Bisous, mon commandant. Ouais. Ça va. Hey, pourquoi ton pare-choc il tient pas? Et je sais pas pourquoi il tient pas ce pare-choc de con là. C'est vrai, il a quand même bien pris, hein. Enfin, on a un blâme, mais en soi, il a bien pris. C'est un blâme privé, mais parce que le commandant... en fait, le commandant, c'est un petit peu particulier, mais on se fait confiance, lui et moi. Il sait que des fois, je m'enfreins des règles, mais je vais jamais enfreindre trop, tu vois. Ouais. Ouais, mais on est d'accord, vous allez pas lui donner de l'argent, hein. Non. Ce connard, là. Okay. Non, jamais de la vie. Ah, c'est le joueur d'Austin qui vient de partir. Ah non. C'est toi qui l'a. Ouais, cherche tes balles. Cherche tes balles. Ils les ont trouvés ? Cherche bien tes balles. Ils les ont trouvés ou pas ? T'as tiré. Ah, tu suis ou pas là ? Il est où, Billy ? Ouais, c'est moi. Ils les ont trouvés ou pas ? Viens, on va discuter toi et moi. Non mais je les vois plus, si jamais ils ont trouvé, je vois pas tirer là. T'as pas tiré là. Tu me fais confiance? Ouais. Viens, on va parler deux secondes. Écoute, ils les ont pas trouvés, je suis sûr de moi. Ok, mais pourquoi il y a plus rien où est-ce qu'elles sont? Et si elles y sont, c'est juste que t'as mal cherché et t'es pas cherché au bon endroit. Maintenant, tu me payes combien? Te paye 5000. Quoi? Toi riche que t'es, tu me proposes que 5000? Tu te fous de ma putain de gueule, man. Sinon, regarde ce que je peux faire, regarde. Je prends mon Glock, je te glisse dans les poches, je t'arrête avec, je te ramène au Nord sinon. Tu veux la jouer comme ça, c'est ça? Bon, on peut la jouer comme ça si tu veux, Billy. C'est toi qui vois, Billy. Hein. En fait, toi, si je comprends bien... Ouais. T'es un bandit, des bandits même c'est dans la ça, loi. C'est ça, voilà, tu me suis. T'as bien cerné le personnage. Bah, attention, hein, y a plein de gars qui veulent ta peau, ils sont venus me voir. Hein. Elles sont où les douilles? Rajoute. 8000, c'est ma dernière offre. 8000, vas-y, c'est bon, viens.
difficile qu'il a pas filmé. Ah ah. Il avait arrêté de filmer. Moi aussi j'ai cru. Moi aussi j'ai cru. Moi aussi tout à l'heure. Oh Bran. Il a même dit. Vas-y montre-lui c'est où Bran. Le bluff. C'est là-bas. Tu t'es mis d'accord avec lui? Ouais c'est là là. Non c'est au niveau de la poubelle et de l'arbre. Regarde bien et tu vois. Ah oui. Bah ils les ont, ils les ont récupérés je pense hein. Non, non, c'est des trous de cul. Non, ils ont cherché là-bas, ils ont cherché au LTD, ils ont rien compris. Ils ont cherché au LTD, ces trous de balle. Des trous de cul, vraiment. Y'a rien, y'a rien. T'es sûr? C'est ici, sûr. Moi, je pense plutôt que c'était vers le garage là-bas jusqu'à ici. Hein. Là, il était pas, c'est impossible. Là, fou, viens, viens, plutôt vers le garage là-bas, là où y'a ta caisse. Après, y'a moyen qu'ils ont pas la douille vu que t'as touché la dame. Mais si, la douille, elle est par terre. Si elle tombe. Je sais pas, moi. T'es un bon tireur hein. Là jusqu'à ici. Jusqu'à ici là. Elles sont là je crois non. Non non elles sont vers pas là, putain là. Mais moi je pense qu'ils ont. Non c'est sûr. Non, non ils sont pas, ils sont sûrs. Sûr. Source sûre. Parce que carrément ils nous posaient des questions encore. Attendez je regarde un truc. Qu'est-ce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi tu m'as passé mon Glock? Mais ça va pas. Non, non, c'est pas moi qui ai tiré. Mais j'étais plus vers là-bas quand j'ai tiré, non? C'est pas moi qui ai tiré. Elle est morte de rire. Je pense qu'ils les ont. Je pense qu'ils les ont, ils vous ont menti. C'est des vicieux les mecs du Nord hein. Bon, c'est des bons. Bah moi j'étais là, j'ai vu où t'as tiré, ils sont pas venus là où t'as tiré moi. Je suis en train de te dire un truc, tu nous écoutes pas. C'est des trous de base, bah, carrément ils nous ont encore posé 40 fois la question. Ah mais je t'ai dit, c'est, ils sont vicieux, je t'ai dit, ils sont vicieux. Ah ouais, là tu as du mal à comprendre. Bah au pire, laisse-le. Oui mais, laisse vu qu'il y a... Ah mais je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire, mais y'a pas de douille. Bah attends, mais pourquoi? Ça c'est pas mes histoires, Mighty. Mais c'est sûr qu'ils sont pas venus. On voit les lots. Tant que j'ai pas mis la main... Elles sont un bon commerçant, man. Pas de douille, pas de love pour l'instant, t'attends. Tu vois quelque chose? T'as été plaqué comme ça, ici. Tyson? Hein? Non, ici. Tu vois quelque chose? Ouais, j'ai vu un véhicule passer deux fois et j'avais un doute. Là, il y a une trouille d'air grise qui arrive. Même véhicule. Non, c'est pas mais peut-être qu'il y avait pas de pas douille, au pire. Pourquoi il y aurait pas de douille? Je pense pas qu'ils les auraient. Franchement, je pense vraiment pas qu'ils les auraient récupéré. Peut-être quand on va par terre, elle est partie dans. Honnêtement, Elle est partie loin. Tiens Billy Johnson, c'est ça Billy Johnson? C'est Jackson déjà, oui, c'est pas Johnson. C'est pareil. Non c'est Jackson enfoiré. Est-ce que je t'appelle 112? Si tu m'appelles 112 je te baisse ta mère. Eh bah alors m'appelle pas Johnson. Arrête de près de ma mère parce que je la baisse ta mère, je la baisse. M'énerver, t'as vu. Regarde comme ça je la baisse ta mère. Là tu vois bam bam bam, elle habite où celle-là? Dis-moi elle habite où, elle habite où ta mère, elle habite dans ton quartier? Eh t'as vu? Elle est encore là c'est ou pas ta mère? Pars parce que... Non mais dis-moi est-ce qu'elle est encore dans le quartier ta mère? Enculeux. Oh arrête tes bêtises, arrête tes bêtises. Vous voulez pas te fumer? Aïe. Arrêtez un petit peu. Parle bien de ma mère je t'ai dit. Oh là là. Change ta coupe. Mais dis-moi juste, est-ce qu'elle habite là ta mère? Est-ce qu'elle habite là ta mère? T'as vu? Aïe. Dis pas ça. Attends faut que je filme. Il en a envoyé une pas deux. Non. Bon allez viens on se casse. Ouais. Allez. Mais attends, c'est comment? Tu veux bosser avec nous? Si tu veux on te donne plein d'infos. Mais bosser avec vous de quoi? Allez hein, cassez-vous là. Tu veux bosser avec nous. Il est bon ce Billy. Bon on va aller dans les saisies là vite fait. Faut que j'aille faire faut que j'aille déposer la drogue. Faut que j'aille déposer des trucs ouais. Non non vraiment j'ai de la coke sur moi 02. Je t'assure que j'ai de la coke sur moi. Mais heureusement je me suis rendu compte parce que franchement j'allais être dans la merde. T'en as rendu compte toute seule comme une grotte.
Je te jure vraiment. Dans ma tête, je me suis dit, mais. En fait, je me suis dit, mais pourquoi il m'a donné mon Glock? Tu sais que Tyson, d'ailleurs, ton Glock, c'est plus le chat depuis longtemps. Mon Glock? Oui. Très bien que tu le changes toi aussi, Tyson, ce Glock. Et le pire, c'est que j'ai regardé le numéro de série. Ah, tu l'as fait quoi, ce Glock? Ah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça va, il a jamais été retracé. Non, mais le Glock que t'as, il en a fait des choses, hein. Arrête. Ah, si, hein. Attends, mais t'as fait ça à moi? Titi. Quoi? Ton numéro de série, ça commence par 32 de ton arme. C'est ça? Ah bah c'est bon alors. 32 c'est F8. Oui c'est ça, c'est ça. T'as vraiment douté, espèce de sac à merde? Non, jamais. Mais c'est pas possible que tu me fasses ça quand même. Le vôtre Riz, ça commence par 02. D4. Et donc je pense que depuis... Ah non. Attends, c'est l'idée, c'est ça? Ouais. Ah non, non, c'est pas celui-là, mais je vais quand même le changer, je vais quand même le changer. Tu sais ce qu'on dit, 02, on est jamais trop prudent. Ouais. Après, faut, bah du coup, faut le notifier. Ouais, je vais le marquer là-dedans. Hein. Je pense que c'est pas Poucave, hein. Si tu changes d'arme et que tu notifies pas, je te jure, je pense que c'est pas Poucave. La Poucave, elle est morte. Je te jure, la Poucave. Non, je t'assure, t'inquiète pas, si 02 elle Poucave, je la tue et c'est tout, hein. Personne s'occupe de vous? Non, personne s'occupe de moi, non. Mais vous venez de sortir de cellule et vous venez d'arriver, je comprends pas. Ouais, j'ai pris 3,72 heures de garde-ave, là. Il faut que je récupère mes affaires, s'il vous plaît, madame. Lui, là, le mec, là, on dirait pas un perso tard 2019. Là, y a même pas de dégradé. Lui, le crâne, il est lisse. Il a les habits de base, la coupe de base. Il a juste fait l'effort sur les lunettes. Attends, je vais voir la tenue complète. Il y a même pas de mélange de visage, c'est le visage 3. T'as arrêté pourquoi, là? Ça, c'est fini, ça, c'est réglé. Moi, je veux juste récupérer mes affaires. Là, y'a un truc là. C'est quoi votre carte d'identité? Ça se voit, vous avez fait un braquage avec Lister. Moi, je veux juste mon putain de casier, y'a pas mon casier ici. Vous avez fait quoi, vous, hein, pour être ici? Moi, j'ai fait quoi? Attendez, je vais te dire. Je sais plus, laisse tomber, j'ai rien fait de spécial. Je veux pas en discuter, de toute façon, ça a carte fait d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, je vais passer à la carte d'identité. Ce sont des affaires qui concernent la justice maintenant, plus la police. Il a pas de sourcil. Je vais porter plainte contre discrimination. On a pas rigolé. Tu vas porter plainte contre discrimination? Ouais. Salvatore, attends. Moi je veux récupérer mes affaires, ça fait 3 jours que je suis dans cette... Il est quelle origine discrimination? Il est quelle origine? Laisse tomber là, laisse tomber. Je peux récupérer mes affaires s'il vous plaît? Ouais, mais il va récupérer ça. 02, il va récupérer ses affaires. C'est 01 qui m'a arrêté. C'est qui? Non mais je vous explique. C'est qui vous a arrêté? Alors je refais tout de A à Z. Non, juste donc, c'est qui vous a arrêté? C'est 01, 01. Ok, merci. C'est qui ça, 01? Il n'y a même pas de 01? Ouais, c'est le rookie. C'est un rookie, ouais. C'est un... Bref. C'est un petit rookie, quoi. Il vient de naître. L'Asiat, il est Asiat. Ah oui, ok, mais t'as fait quoi, toi? T'as fait quoi de méchant? Oulala. Bah, attends, mais t'as beaucoup d'argent sur toi, là. C'est illégal d'avoir autant d'argent. Ouais, mais je suis au commissariat, ils me les ont pas pris, de toute façon. Oui, mais alors, là, je viens de voir, là, je viens de constater. Oui, mais ça y est, c'est fini, ça fait partie de la justice. C'est jamais trop tard. Non. Ah oui, tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah, on peut faire. Merci, moi aussi. De rien. Du coup, mon casier? Moi, je vais te dire. Et d'ailleurs, ouais, dis-moi. Dans la vie, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais encore. Parfois on croise des barrières et les barrières faut savoir les escalader. Putain mais tu me fais penser à tellement de gens en même temps. Ouais, comme qui? Ah, Iron, tu me fais penser. Ouais, oh, j'aime pas les Iron, déjà son blast j'aime pas. Ah ouais? Ouais. Toi tu fais quoi dans la vie toi? Tu fais quoi dans la vie? Moi, pas grand chose. Vas-y, il avait combien de potions? Je fais tout plein de choses. Ça se voit, tu te contentes de te laisser guider par le long fleuve qu'est la vie. Exactement, okay. Ça c'est voilà, t'es très philosophe toi comme mec. Ouais. Il a été arrêté pour vente de drogue de cocaïne, ce monsieur. Une espèce de fraudeur. Il a pas la place. Si je l'ai déjà payé l'amende, je vous sors tout de suite la facture. Mais je vous la sors tout de suite. T'as les cheveux rouges, Iron. Allez-y. Parce que je fais partie des Bloods. Moi, tu fais partie des Bloods, toi?
Tu fais partie. Attends, de quel bloc? Les blocs de quartier Ballas, raquette, Billy? Dis-moi, c'est la raquette de Billy. Billy, c'est Billy? Je fais partie de Gagarine. Eh, ils sont où les. Elle est où la facture là? Elle est où, là? T'as vu, c'était sûr? T'as vu, c'était sûr? Vente de drogue, voilà. Billy et son équipe. Je vous donne le numéro de la facture. Non, mais l'équipe, ouais, à Billy, vous êtes les meilleurs, moi je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes les meilleurs. C'est 20 49 61. Récupère un justificatif, hop, tenez, je vous le donne. Je viens de l'imprimer. Là, mais ok, mais t'avais fait quoi? T'avais fait quoi? Il a vendu de la drogue, de la cocaïne. Vous avez. Non, vous ça, avez c'est ce que 01 dit, mais en vrai de vrai, j'ai donné une clope à la passante et il m'a interpellé. Ouais. Mais vous avez de la cocaïne sur vous, dans tous les cas. Il a un bon micro tout, pour. De cocaïne sur moi. C'est qui toi? Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le PDP, c'est le PDP à. Vous êtes qui, vous, monsieur? Moi, c'est 86. Montre-moi ta carte. Je prends ma carte du SSP, mais j'ai ma carte d'identité. Vas-y. C'est Kipling Rogers. Mais me connais, Tyson. Attends, fais sauter la casquette, Mais c'est Vegeta. Mais attends, mais. Ok, ouais, c'est bien lui, Ah, mais pourquoi t'as habillé comme as? Bah, parce que. Je suis pas en service. Ok. On dirait que t'es déguisé et tout, bizarre là. Bah, ouais, moi je suis un mec de la DOA de base dans le sang. D'accord, bah vas-y, grosse force. C'est bizarre. Ouais. D'ailleurs. Okay. Bah, si jamais c'est 55501. Les recrutements, ils sont encore. C'est tout? Il a un bon micro pour. Excusez, il a un bon micro pour un mec du groupe de Tac-Tac. Ouais, ok, ça marche. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Mais toi, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je te dis, tu ressembles d'un ton, moi, mon vieux. Hein. Tu ressembles d'un ton. Ok, d'accord. Tu veux pas que je te mette 4 tartes dans la tête? Ouais, oh, Superman, mieux. Ça marche, ok. Non, mais y a pas de Superman, je te le dis, je vais mettre 3 tartes dans la tête, tu vas être choqué. D'accord, okay. Tu veux pas que j'attrape Billy, je vais l'enculer, d'accord? Ouais, tu parles pas comme ça de Billy, attention. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, espèce de petite salope? Ouais, t'as raison. T'es chez toi, je vais rien dire. Petit sac à merde, hein, petit sac à merde. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Billy, demande-lui 113, tu vas voir ce qu'il va te dire. Ok. Quoi, Billy, de quoi toi? Bon, je dis rien, je parle pas, je suis une salope, t'as raison. Ça se voit, tu bouillonnes, là, je sens que t'es en train de bouillonner, t'as envie de me débiter. Non, même pas, regarde, je suis une petite pute là, regarde. Oui, t'es une petite pute. Tu veux que je te fasse une danse? Vas-y, fais-moi une petite danse. Vas-y, attends, je prépare mon pas de danse. Je vais te préparer mon meilleur pas de danse là, attends, 2 secondes. Tu connais, faut chauffer ça. Ok. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es prêt, je t'assure, je suis prêt. Attends, mets un peu de son parce que j'ai du mal à m'ambiancer. Non, fais un capella. Fais un capella. Ok, 113. 113. Oh mon dieu. Voilà. C'est bon? Ta pute là, c'est bon, t'es content? Oui, c'est bon. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Allez, dégage. Voilà. Non, j'attends. Ah oui, je veux récupérer ses affaires, c'est vrai. Oh là là. Donne-moi le numéro de billet, je l'appelle. Moi, je donne pas le numéro de mes potes. Hein, oh là là, il me fait chier celui-là, hein. Non, mais je peux pas donner le numéro. T'as même pas de téléphone? Mais il m'a tout pris, vous comprenez pas. Votre collègue, il a tout pris. C'est quoi ton coffre? Il a disparu, j'ai l'impression, parce que ça fait 3 jours. Mais pourquoi ses affaires, il les dépose pas dans un casier lui-même? Est-ce que t'avais un sac, un téléphone et un gilet? Non. C'était quoi tes affaires, en gros? Mon coffre, il s'appelait Salvatore. Ok, mais c'était quoi tes affaires? C'est pas ça ma question. C'est quoi tes affaires? Oh là là, tu me poses des questions. Tu vas retrouver tes affaires ou pas? Ouais, mais attends, faut que je me rappelle ce qu'il y avait dedans. Putain. C'était quoi comme À peu près, tu vois. T'as un Samsung ou un iPhone que t'avais? J'avais un iPhone, un Samsung, une tablette, j'avais des jumelles, un appareil photo. Oui, c'est bon, je l'ai. Il y avait une cagoule, des tenues, un BMX. Voilà, ouais, exactement. C'est bon, je l'ai. Eh ben, c'est le casier. Mason. Ouais, Mason. Prenez. Ah oui, c'est bon. C'est ça? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Non, c'est pas bien. Putain, mais t'es vraiment un super détective. Tiens. En fait, toi. C'est bon, on a retrouvé son coffre. Par contre, la disqueuse. Ah, c'est bon? Bah ouais, c'était le coffre Mason. Ouais, 0 a pris de service, l'équipage. Tiens, le couteau. Ouais, 0 a. Quand ça date, hein. Ok, merci. C'est gentil, merci. Vous êtes putain d'adorables gens. Ça date, hein, reprends le boulot. C'est qui ça? C'est qui ça? Ski Radio là? Ski Radio? Calme radio un peu là. C'est l'ancien 01 qui a quitté le poste il y a un moment déjà. On se connaît ou pas 01? Je me rappelle plus, on se connaît. Non, il y aura pas de disque, monsieur. Pourquoi? On la garde. Mais moi j'ai besoin de faire des travaux. Je le connais ou pas 01? Oh, comment je répare ma putain de table électrique? Et oh là là, tu nous fais chier toi, bordel, tu récupères ta terre et tu vas te faire enculer. Mais moi je vais récupérer ma disqueuse, bordel de merde. Bah récupère ta disqueuse, arrête de me faire chier.
Bah, elle me l'a pas donné, votre collègue. Non, non, il récupère pas sa disqueuse. Mais ça va pas ou quoi? Je répare comment, moi, ma petite collègue? Ah, bah, tiens, acheter une autre disqueuse. Allez, je suis content d'avoir récupéré tes affaires. Allez, cadeau. Allez, casse-toi. Normalement, quoi? Ça marche, bonne soirée, Zéro. Bonne soirée, Zéro. Allez, on avance. Oh, je suis pas chien, parlez-moi correctement. Avancez, s'il vous plaît. Merci. Tu sais que j'ai découvert un truc sur les coffres que je savais pas. Enfin, je l'ai appris il y a un peu, pas très longtemps. Regarde, va voir. Ah, tu regardes les coffres. Ouais. Tu savais que les coffres qui ont la petite pastille. Allez, nique ta mère. Dire... Je crois qu'il a fumé de la drogue. Allez, on y va. Après, il y a vraiment pas longtemps ça. Tu sais que je suis pas peu fier, mais c'est moi qui l'ai inventé ce système de coffres. Mais tu sais que c'est trop intelligent. Et moi, à chaque fois, c'est que je fouillais tous les coffres tout le temps. Merde, ma voiture, j'ai garé où? Derrière. Hop, hop, c'est qui ça? Mais t'es qui toi? Mais ça va pas. Mais c'est 0-1 les gars, on peut pas venir bosser ou quoi? Oh 0-1. Tu m'avais manqué 0-1. Je connais pas. Je vous connais pas. Mais si on connaît, de lui on connaît 0-1. Je connais. Ok. Les gars, y'a du boulot ou pas? Je prends ma prise de service ou pas les gars? Mais t'as déjà fait ton 10-10 t'as dit? Eh ouais, mais parce que je devais aller voir une meuf. Bah comme tu veux, 0-1. Et t'es quel grade, 0-1? Enchanté, Angelo Mora. Enchanté, Angelo. Vous êtes quel grade? Écoute, mon père c'était Camilo Mora, un flic d'exception qui a arrêté Miguel Raconté et toute son équipe de plouc. Ouais. T'as dit quelque chose, beauté? Non, ça me dit rien. Et du coup, votre gratte? Mais regarde pas comme ça, je suis rookie 0-1. Bah okay. Tu peux lui donner des ordres si tu veux, 0-2. Mais non, y'a pas des meufs comme ça sur Naruto, hein. Ça va. Hein? Mais ouais. C'est bon là, l'immersion déjà, putain. Eh hey, non, c'est GTA, on fait du HRP nous, hein. On fait du HRP, ouais, notre, ouais. Eh gars, tu reprends du service là un petit peu, je pense. Ben, régale-toi. Écoute, fais ce que tu veux. Moi, je te conseille d'aller te balader, ça va te faire du bien. Me balader? Ouais. Ouais. Attends, tu me conseilles quoi? Moi je te conseille de prendre une voiture. Ta mère. Un petit moment, enfin, c'est un plan récup en fait. La sortie de récup. Oh, ok, bah parfait. Voilà. Mais j'ai déjà la plaque. Mais on pense qu'il est encore tombé, frère. Monsieur Morales. Tiens, prends le volant, Tyson, je conduis. Je faut mange. Faut que tu la rentres dans un garage et tu la ressortes. Ah ouais? Ouais. Faudra appeler mon. Bah, vous avez une radio pour la bijouterie ou pas? En radio 2, mais y'a déjà une course poursuite. Enfin, que j'oublie à 2h, j'ai une OP. Mais bon, après, c'est pas grave si j'ai pas 2h15. Le rookie, oui. On est pas à 5 minutes près. 10-4, bah. Il est sur la radio, il m'appellera au 4402. Non, mais l'équipe a Billy. Attends, on reste comme ça, si jamais on s'arrête dans une ruelle, tu me fais un petit call. Ah bah, je pense à être beau. Aïe. Y'a besoin d'aide, les gars? Elle dure une heure en plus, avec deux spies. C'est sur. Merde. Tar Island. Ah, MMO, c'est pour ça qu'en début de stream on parlait de WoW en fait. Un peu quand même. Ah ok. Ouais. Ça va, je vais bien. Oh ah. Putain, attends, je m'en occupe, t'inquiète pas. T'as le volant si tu veux. Non, normalement j'ai pas besoin. Ok. Génial. Attends, mais faut pas que j'en sorte par là du coup. Attends, si je passe par là. Ok. Ah, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Et rentre dans ta. T'as les gyros. Et rentre dans ta dans ton pattern de patrouille, du coup, maintenant le labo. Hein. Ouais. En plus, on peut passer, genre de rien. Ouais, en mode. Ouais, clairement. Genre, c'est le PDP en face. Genre, y a le pont, là, tu sais, quand on est derrière, tu le vois le pont, on a une bonne vision dessus. Et ouais. On peut passer juste devant le PDP tranquille. Vas-y, on va le faire. Y'a des gens qui jouent à Tar Island là qui pourront m'aider si jamais je suis en galère. De toute façon, je vais start niveau 1 et tout. Tu te souviens le parking où on se mettait pour guetter le labo de Coq? C'est juste en face de la ruelle du labo de Coq. Ouais. Parking vert là. Bah, tu sais que depuis le parking vert, on voit trop bien la porte aussi du nouveau labo là. Ouais. Du coup, call prioritaire les collègues. Oh.
y a Peter Roger, la personne qui est disparue, qui vient d'appeler le... qui vient de nous appeler. Il est actuellement à la fonderie, donc potentiellement avec ses ravisseurs. Il nous a dit qu'il était avec ses fonderie, vas-y, go. On a à côté, on a à côté. Tremblant et paniqué. Vas-y. Ok, on a... Tango, ah. Vas-y, 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 vas-y. C'est plus fort. On est à côté, on va aller faire un tour. Après, essayez d'y aller à plusieurs unités, s'il vous plaît. Est-ce qu'on rentre comme des fous à la fonderie, en mode où il faut y aller discret? Négatif, il m'a demandé de pas venir, donc je pense qu'ils sont sur leur garde. Ok, mais c'est bizarre qu'il ait pu te contacter, non? Si jamais il est pris en otage. Je sais pas du tout. Ok, ouais, y'a des gens à la fonderie, j'ai vu une vestiaire noire avec deux individus au moins. Vas-y, viens, y va, on contrôle genre de rien. On va y aller, on va contrôler genre de rien et venez en backup au cas où. Vas-y, vas-y, roule. De 09, ah non, mais j'ai peur qu'elle parte la vestiaire en fait, mon frère, parce qu'il est à côté de la voiture. Ils ont essayé de prendre en otage Benito. Est-ce qu'une unité pourrait venir voir ce qui se passe, s'il vous plaît? 36-10-3. 17. Ah non, 10-91, parking, pas l'emploi, si l'unité peut passer, c'est décidé. Si je parle au SASP, je suis fini. Quoi? Mais parlez de quoi au SASP? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On a un ami à nous qui vient d'être retrouvé, il était porté disparu, il veut nous dire justement. Merde alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai rejoint quelqu'un au Custom Café et puis on est descendu et là ils m'ont pris en otage. Elle est partie la vestiaire. On est à un endroit et en fait eux c'était juste des intermédiaires, ils m'ont pris pour me donner à d'autres personnes. Et c'était qui la personne de base que vous avez rejoint au Custom Café? C'était un fils qui se faisait appeler Dante. Dante? Ouais. Et on... Et puis après, je sais pas, on a attendu quelque part dans une forêt. Et ensuite, il y a une voiture bleue qui est arrivée. Et ils m'ont monté, ils m'ont pointé avec une arme. Puis ils m'ont mis ici, ils m'ont posé des questions. C'était quoi les véhicules? Je sais plus comment ça s'appelle. Et vous voulez quoi en particulier en gros? Pourquoi vous et pas d'autres? Je dis, parce que en fait, j'ai des amis qui sont morts. Et j'ai parlé à la police et ils voulaient savoir quelle était l'information. Et si je continuais encore à parler, il me jeta à la lave, il me balle dans la tête. Dans forêt SP Sud. Est-ce que je peux m'en occuper? Je peux récupérer monsieur? Allez, pour quelle raison? Monsieur, je vous poussez-vous, désolé. Venez chez nous. Je vais retourner sur la fréquence 7. Bonne soirée à tous, stay safe. Bonne soirée, ouais, vaut mieux. Par monsieur! Mets-toi sur le côté si t'as rien à voir, mets-toi sur le côté, on va vérifier. Vas-y, viens! Arrête-toi, putain d'enculé! Je te jure, y'a rien à gratter ici, vraiment. Ok, eh ben arrête-toi, on va vérifier. Eh ben on va vérifier. Non. Mets-toi sur le côté. Je viens de faire une bijouterie, ça t'intéresse pas la bijouterie? Non, ça m'intéresse pas, viens ici! Je suis à 21h30, hein, parce que c'est quoi, c'est comme voiture, c'est une jackal? Non, si, c'est une jackal, c'est une jackal. Est-ce que sur une bijouterie, il y avait une jackal blanche? Affirmatif. Et on avait deux. Ah ben, j'en ai retrouvé une. C'est conduire 02? Pas trop. D'accord. Putain, mais le problème c'est que oh là, j'ai cru que j'étais dans l'eau. J'étais en train de manger en fait, ça qui me fait chier. Il va faire demi-tour. Y'a des unités disponibles pour prendre 10-56 s'il vous plaît? Ouais, mon vieux. On a pas besoin. On est. Ouais. C'est bon, l'individu ouais. A fait. Allez, descends, garde tes mains en évidence ou je te balance dans la flotte. Sur 10-12 du coup. Ça m'arrange en vrai. Que je te balance dans la flotte? Ouais. Vas-y, je vais le faire, descends, je te balance dans la flotte. Moi carrément, j'ai rien. T'as rien. Là, retire-moi ça. Tu prends des bijouteries, toi? 15 pour une unité, on aura besoin d'un 10-35 au niveau du parking blanc suite à un plan mule. On a deux individus interpellés, sauf qu'on est trois dans notre voiture. Ah oui, c'est pépite. Ok, bon, je l'ai attrapé la jackal blanche, mais il avait rien sur lui. Moi, j'étais juste conducteur, moi, j'ai rien fait. Si vous voulez, sergent chef, il y a la plaque dans le dossier. Si jamais c'est la bonne, bah braquage de bijouterie, vous nous le ramenez au poste. Ok, ça marche. Pour savoir si tu voulais. Radio. Désolé, censé être désolé. Allô. Je vais me faire boulonner par le dor. J'étais allô. Ah bon?
Il est parti en courant, les collègues, il est parti en courant. Je l'ai perdu, l'individu. Vas-y, conduis. Si ouais, conduis 407, s'il te plaît. Ah. C'est moi qui ai le volant ? Non, ouais, c'est toi. Non, faut les clés. Ah. C'est bon. C'est moi une backup, en fait. Kana, tu joues avec moi, t'as l'Island ? À la fonderie, à la fonderie. Ok. Vas-y. Par contre, je donne pas le moindre euro, je garde tout pour moi, d'accord ? Vas-y, c'est bon, masterclass. Je te parle ça, Kada ? Je suis sûr que c'est pas un guet-apens, je pense vraiment que c'est un bon petit jeu. Du coup, Tango 15, c'est 10-19 avec 2-10-21. Merci, Kat. Et Tango 15, 10-6 procédure. Je laisse conduire. Je ramène au PDP, mon petit Tyson. J'ai une nouvelle mission. De 17, code 99 au Bahamas, une Paragon apparemment qui vient de tirer sur un collègue. Elle est partie, elle a fait un drive-by ou comment ça se passe? J'attends, je récupère plus d'infos. C'est quoi ta mission? Il y a qui s'appelle Austin. Austin, ouais. Une autre pute du Nord là. Celle avec les cheveux blancs, je sais pas comment qu'elle s'appelle. Le lieutenant là, le blond Kyle, je sais pas quoi. Mm-hmm. Et McTavish. Ils étaient tous les quatre dans une voiture. Ils sont descendus, ils m'ont mis des menottes. Ils m'ont mis des menottes, ils me frappaient au sol. Paragon. T'inquiète pas, je vais les saucer sur le tueur. Mec, il y avait ça. C'est connard. Mec, je l'ai retrouvé. Ça va, t'es pas blessé? Non, ça va. Aïe. J'ai pas entendu. Qui c'est qui t'a tabassé mon petit Tyson? Ah, tu écoutais pas? Non. Il y a une ils t'ont tabassé? Austin, du Nord, Kyle. Et pourquoi ils t'ont tabassé? Parce que je suis tout seul en train de courir. Ils sont arrêtés à côté de moi, ils m'ont dit bon alors Tyson, on est tout seul. Ils sont descendus, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont frappé ces bâtards. Eh ben tu te vengeras comme un grand, parce que t'es un grand mon frère. T'inquiète pas. Bonne nuit, fais attention à 0-2. Pas besoin. C'est en 13-10, bonne soirée à tous les collègues, stay safe, ciao. Peace. Tu vas où? Je me suis fait tirer dessus toi. Rien à foutre, meurs fils de pute.